Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur TV et Radio de Ville. Il est 20h55, pratiquement heure de Paris, 20h53. Et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Ville. Bonsoir, tout le monde. Voilà, Dieu est grand, la jeunesse est debout pour le Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Et merci pour la présence de chacun. Ça fait quelques jours qu'on ne sait pas. N'est-ce pas qu'on n'a pas eu à faire une émission en direct? Et voilà, parce qu'on est en mouvement actuellement, ici et là. Et que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour, Seigneur, la présence de chacun. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Dirige-nous en toutes choses, Père très saint. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci pour l'œuvre de la croix dans nos cœurs. Merci pour ces hommes et ces femmes qui sont connectés ce soir, qui nous suivent. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Dieu de gloire. Amen. Merci, frères et sœurs, pour votre présence. Nous étions ce dimanche à Niort. Nous avons été agréablement surpris par le Seigneur, par sa présence, par toutes ces, n'est-ce pas, délivrances que le Seigneur a faites. Des cœurs étaient libérés, des âmes étaient libérées, des chaînes étaient brisées. Et vraiment, le Seigneur nous a fait du bien. Donc, que toute la gloire lui revienne. Merci encore aux frères et sœurs de Niort qui aiment la vérité, qui aiment le Seigneur. Et comme nous vous l'avons annoncé, nous faisons actuellement une tournée, hein, donc tous les dimanches et dans toute la France. Et parce que le Seigneur nous demande, nous le demande. Et donc, ce dimanche, nous étions à Niort. Et le dimanche qui vient, nous serons en Hollande. Alors, je ne sais pas si l'équipe technique peut nous balancer l'adresse, si c'est possible, voilà, du programme de réveil en Hollande, à Rotterdam précisément. Vous êtes très nombreux à suivre nos émissions depuis la Hollande. Et donc, le programme de réveil arrive chez vous. Et ce dimanche, le dimanche 25 de ce mois, hein, donc à Rotterdam. Et on a loué une salle. Donc les frères et sœurs, il y a un frère hollandais, d'origine africaine, qui est touché par le message et qui a eu à cœur de prendre cette salle donc pour ce programme. Et nous sommes en train de nous organiser pour partir avec une bonne équipe. Notamment avec l'équipe de TV et Radio de Vie, afin de, n'est-ce pas, de louer le Seigneur ensemble avec les frères et sœurs de la Hollande. Voilà, donc je ne sais pas si on a trouvé l'adresse pour pouvoir la communiquer aux frères et sœurs qui vous veulent bien venir, parce que vous êtes nombreux à être touchés par l'évangile que le Seigneur nous donne à prêcher, le retour à la parole, l'évangile christocentrique, basé sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Le Dieu qui sauve. Voilà. Et donc, en attendant d'avoir l'adresse de la Hollande, et voilà. Donc, merci l'équipe. Merci pour votre travail. C'est un travail qui nous encourage tous. Voilà. Donc, on va pouvoir l'agrandir si c'est possible. Merci Seigneur pour le Zoom. Voilà. Voilà. Donc, réunion de réveil à Rotterdam, aux Pays-Bas. En Hollande, date donc le 25 mai à 14h, donc de 14h à 18h. Et voilà, donc vous avez le plan, bien sûr. Et donc l'adresse est dessus, hein, Galvanistraat 150 30 29 AD Rotterdam, de 14h à 18h. Contact 0031 6 84 82 20 999. C'est le premier numéro. Le deuxième, c'est 00316 861 410 11. Voilà. Donc, pour ceux qui nous suivent sur Radio de Vie et qui ne voient pas l'image, donc nous vous rappelons les contacts téléphoniques. Le premier, c'est le 00316 804 820 999. Je répète, 0031 684 820 999. Le deuxième, c'est le 0031 686
141-011. 0031-686-141-011. Voilà. Donc, le programme, c'est ce dimanche, comme on vous l'a annoncé, donc de 14h à 18h à Rotterdam. Voilà. Donc, pour les frères et sœurs qui sont en Belgique, ben, ce vendredi, nous serons à Bruxelles, comme d'habitude, et on vous donnera également toutes les informations concernant ce programme, étant donné que cette soirée à Bruxelles, ce vendredi, sera en direct sur TV et à Radio de Vie, donc on vous donnera d'autres détails. Voilà, que le Seigneur soit béni, surtout que les Hollandais seront présents ce vendredi pour donner toutes les informations dont vous avez besoin par rapport à ce programme. Que le Seigneur soit béni. Et donc samedi, notre programme habituel sur Évry, Bras de Fer, ici à Paris. Et sachez qu'il nous reste 7 mois donc, par rapport au programme de réveil à Évry. Et à la fin de l'année, on va passer à autre chose. Donc on va arrêter le programme de réveil à Évry pour passer à autre chose. Et c'est-à-dire on va beaucoup tourner à la fois les vendredis soirs à Bruxelles, si Dieu permet, et, ou en Allemagne. Donc samedi ailleurs et dimanche également. Donc on va tourner comme ça. Nous n'allons pas laisser les charlatans occuper le terrain. Parce qu'il y a de plus en plus de voyous spirituels, des voleurs, des impudiques, des caresseurs de femmes, n'est-ce pas? Donc, dont les mains sont tellement chatouillées, tellement remplies de démangeaisons qu'ils vont caresser les femmes pendant les délivrances. Ils osent s'appeler apôtres, prophètes, évangélistes pour organiser des séminaires ici et là, notamment à Orléans, que nous allons dénoncer bien comme il faut. Partout, on va les poursuivre avec TV de Vie pour les dénoncer parce qu'ils sont des voleurs. Voilà, et ils disent qu'ils ont des enregistrements sur nous, qu'ils veulent, on attend ces enregistrements et nous allons diffuser leurs vidéos de leurs victimes, bien comme il faut. Donc tout ça là, c'est on va pas se taire. Alors quand on parle comme ça, il y en a qui disent c'est parce qu'ils sont blessés, on est blessés. Non mais il faut arrêter mes amis, quand le Seigneur a pris le fouet pour chasser les voleurs du temple, est-ce que le Seigneur était blessé? Ou est-ce que c'était le zèle de la maison de son père qui l'animait? Donc c'est le zèle du Seigneur qui nous anime, qui fait que nous ne pouvons pas nous taire en laissant la place à ces voleurs, à ces charlatans, à ces pillards, n'est-ce pas, d'occuper le terrain. Alors il y en a qui disent que si ce monsieur arrive ici, nous allons le combattre. Alors j'attends que vous me combattiez. On va arriver là où vous êtes et on va faire des réunions dans les hôtels, dans les salles d'hôtel, et on va voir qui va combattre qui, parce que le combat est spirituel et nous n'allons pas nous taire parce que les âmes vont en enfer. Vos prisonniers que vous maintenez dans vos systèmes, dans vos cachots, dans vos prisons, ne veulent plus être prisonniers. Beaucoup veulent sortir de là et nous n'allons pas rester les bras croisés. On va arriver jusqu'à vous pour vous dénoncer ouvertement au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc que Dieu soit béni. Plus vous faites vos programmes ici et là, plus nous allons nous lever pour vous dénoncer. Et on est de plus en plus nombreux à être debout pour pouvoir dénoncer vos, n'est-ce pas, manigances, vos complots. Voilà, donc que Dieu soit béni. Je ne sais pas si nous avons quelqu'un en ligne. Et voilà, donc vous savez, il faut de l'audace, il faut de la force, du courage pour pouvoir annoncer l'évangile. Et voilà, Paul disait dans Philippiens, à cause de ces liens, beaucoup de frères avaient l'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Voilà, donc parce que l'ennemi veut intimider les chrétiens pour ne pas qu'ils parlent, qu'ils annoncent l'évangile. Et il y a de plus en plus de frères et sœurs qui se lèvent pour annoncer l'évangile. Et je compte sur les défenseurs de la sainte doctrine à Orléans, n'est-ce pas? Donc, tous les frères et sœurs qui sont là-bas et qui sont nombreux, qui sont dans les maisons, pas dans les bâtiments, dans les maisons, et qui se préparent à recevoir, n'est-ce pas, les missionnaires. Donc, nous allons vous parler aussi du programme d'Orléans. Et voilà, parce que nous sommes à Orléans, nous serons à Orléans dimanche 1er juin à Orléans. Alors le programme, c'est le programme aura lieu dans la salle du Lion Saint-Marc, 1 rue du Pressoir 9, voilà, 1 rue du Pressoir 9, 45 000 Orléans, au centre-ville, proche du centre de conférence Albert Camus. Le programme commence à partir de 13h. Voilà. Donc, on sera à Orléans le 1er, n'est-ce pas, juin, dans la salle du Lion Saint-Marc, 1 rue, n'est-ce pas, du Pressoir 9 à Orléans. Et voilà, le numéro de téléphone pour toutes les informations, et, c'est le 06 29 37 90 30. 06 29 37 90
20h30. Donc, c'est une salle que les frères et sœurs d'Orléans viennent de louer hein, juste pour ce programme. Sinon, c'est des frères et sœurs qui prient dans leur maison. Et le 1er juin, nous sommes à Orléans et on sera là-bas souvent pour encourager les frères et sœurs, pour ne pas laisser l'ennemi occuper le terrain et au nom de Yeshua. Personne ne peut dire qu'une ville lui appartient. Personne ne peut dire qu'une région lui appartient. Hein, donc, et personne ne peut dire que la France lui appartient. Donc, et ceux qui souvent vont se présenter comme des apôtres des villes, des apôtres des régions, quand vous regardez bien, mes amis, il n'y a même pas beaucoup de Français de souche dans leurs assemblées. Ils veulent empêcher les missionnaires qui veulent évangéliser les Français de souche d'aller dans leur ville. C'est comme s'ils sont devenus des préfets de ces villes. Même les préfets des villes, des départements, mes amis, acceptent aussi les étrangers. Voilà. Donc, que Dieu soit béni et au nom de Yeshua. Vous savez, quand ma tête est complètement retournée par la colère du Seigneur, ben je parle. C'est comme ça. Alors, je ne sais pas si nous avons quelqu'un en ligne qui veut s'exprimer. Non, que Dieu soit béni. Mes amis, comment allez-vous? Je vous sens un peu... Vous avez peur un peu de... Les choses, là, comment là? Dites-moi un peu. Là, vous avez peur que les gens parlent sur vous, sur... les réseaux sociaux, parce qu'il y a tellement il y a des femmes, mes amis, impudiques, des femmes prostituées, hein, qui, étant fiancées, ont été avec des hommes, d'autres hommes, qui se permettent d'aller parler, mes amis, sur les réseaux sociaux, sur les frères et sœurs. Donc, il ne faut pas s'en occuper parce que c'est la distraction, mais nous vous tenons quand même à rappeler à ces personnes qu'elles sont des véritables prostituées. Voilà. Donc, elles doivent plutôt se repentir et chercher le Seigneur au nom de Yeshua. Voilà. Que Dieu soit béni. Vous savez, l'onction que le Seigneur a mise sur ma vie est une onction de guerre. Donc, c'est comme ça que vous pouvez ne pas me comprendre, mais c'est comme ça. Donc, le Seigneur m'a dit, je t'ai établi pour déranger, je t'ai établi pour parler. Donc, le combat est spirituel. Paul dit qu'il a combattu contre mes amis, les animaux, contre mes amis, les bêtes sauvages hein, à Éphèse. Donc, vous voyez bien que c'est très biblique. Hein, donc, parce que vous avez été habitué à un évangile tellement religieux, hein, l'évangile apporté par les prêtres catholiques et les prêtres protestants qu'on appelle pasteur, bishop, docteur, enseignant, je ne sais pas, apôtre des nations. Ils aiment tellement les titres. Hein, donc du coup, cet évangile veut que vous soyez tellement doux, hein, plus doux que la douceur, hein, plus compatissant que la compassion. C'est à cause de cela même que nos églises sont malades aujourd'hui. Voilà, les églises qui deviennent de véritables prisons, de véritables tombes. Hein, que Dieu soit béni. Alors, il y a aussi un programme avec la jeunesse. Qu'est-ce que vous, le 29, il y a un programme avec la jeunesse et des jeunes qui sont debout pour crier ici et là dans les trains, dans les métros. Alors, comment ça se passe un peu vos sorties d'évangélisation et voilà. Bonsoir Hervé. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler pour intervenir, il n'y a pas de problème. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le plateau, l'émission est. Voilà, le téléphone est ouvert. Oui, bonsoir. 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 Comment ça se passe? Ça se passe bien. Hein. Dieu nous conduit. Vous allez dans les trains, dans les bus, dans les métros, partout, On va partout. Avec vos instruments, hein, portables, tout à fait, portatifs. Voilà. Les amplis, et les micros. On adore Dieu, quoi. On parle de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc les gens ne sont pas amenés dans les assemblées, mais à Christ. Quoi. À Christ. On parle que de Jésus, en fait. On dit que pas de Jésus. Que de Jésus. Et vous n'avez pas des titres, tout ça, là, apôtre des nations, non, apôtre de la région, on pas ça, non, évangéliste international. Non, c'est Jésus qui nous a touchés. Hein? On parle du maître, en fait, Jésus-Christ. Du maître, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de titres, quoi. Il n'y a pas de titres. Et voilà. Donc, la titromanie, vous savez, la titromanie tue les gens aujourd'hui. Hein? Ils deviennent des apôtres du jour au lendemain. On ne sait même pas combien de gens ils ont formés. Voilà. Donc, c'est quand même incroyable. Et des gens qui ont porté des couches spirituelles hier, aujourd'hui, sont devenus des apôtres. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Allô, vous m'entendez? Très, très bien. Allô, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez parler, nous vous entendons. Non, je ne vous entends pas du tout. Ah bon? Allô? Allô? Oui, voilà, là, je vous entends. C'est parfait. Ok, merci. Excusez-moi, hein. Je vous en prie. Problème technique, peut-être. Donc, bonsoir à tout le monde sur le plateau. En fait, c'est juste pour une petite anecdote vite fait qui s'est passée la semaine dernière, en début de semaine. Donc, parce que moi, sur mon réseau social, depuis que je suis TV de vie,
Donc, je parle des faux pasteurs, tout ça, parce que voilà. C'est vrai, il faut que le plus de personnes possible ouvrent leurs yeux et puis qu'ils comprennent réellement la parole, parce que on lit la parole mais on la comprend pas. Et donc depuis quelque temps, j'avais ça à cœur. J'ai dit, je peux pas parler seulement de ça et rien dire au pasteur là où j'ai grandi. Donc, je suis allée sur mon réseau social, en message privé, je dis au pasteur, s'il te plaît, je viens vers toi parce que tu es le seul à me répondre. J'ai dit, en fait, pourquoi tu vends la parole, hein? Pourquoi tu vends les enseignements, hein? J'ai dit, mais parce que notre Jésus, la Bible nous, me dit que Jésus n'a rien fait payer, au contraire, il nous dit de donner gratuitement. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi toi tu vends la parole? Et là, il m'a dit quoi? Il me dit, t'as qu'à t'occuper de toi-même, hein, et de t'occuper de ta vie, de tes enfants, et puis voilà, au lieu de taper sur tout ce qui bouge à l'église, dans l'église. Je dis, non, mais je te demande quelque chose, réponds-moi, parce que c'est pas biblique. Allô? Oui? Ouais, donc, ben, malheureusement, quand un pasteur tombe, est touché par l'esprit du commerce, l'esprit de la Laodicée, et pour le sortir de là, si ce n'est pas Dieu, et personne ne peut le faire. Voilà, tout à fait. Et ils ne veulent pas sortir de là. Ils ne veulent pas sortir de là parce que... Je lui ai dit, il faut que tu te repentes parce que ce n'est pas bien, tu vends... Ça, c'est en Polynésie, hein, je dis, parce que faire payer 9 000 francs pacifiques, ça équivaut à peu près à 70 euros pour des enseignements sur 2 semaines. Et c'est 70 euros la semaine. Donc, j'ai dit, c'est bon, quoi. Et il n'y a pas que ça, il y a plusieurs choses. Donc, j'ai dit, à un moment donné, si toi, tu te dis homme de Dieu, j'ai dit, dis-moi, pourquoi tu vends alors les enseignements? Et puis, comme il ne savait pas répondre, donc il m'a répondu à côté. Il m'a dit de regarder ma vie, et patati et patata. J'ai dit, enfin, bref. Donc, après, je lui ai dit, en fait, en fin de compte, tu n'es plus un homme de Dieu, tu es out. J'ai dit, t'es un lépreux spirituel parce que j'ai dit, t'es un commerçant, tu fais du business. Voilà. J'ai dit, c'est tout. Et il faut appeler les choses par leur nom. Hein. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et puis je lui ai dit, il me dit, oui, en fait, parce que tu n'y connais rien à la parole, c'est pas parce que tu viens de connaître la parole. J'ai dit, non, c'est faux, parce que même dans la Bible, Dieu se sert des petits enfants. J'ai dit, ok, y a rien, ça n'a rien à voir, c'est de te dire la vérité, point barre. Parce que le Jésus que tu prêches Jésus, mais le Jésus que toi tu démontres, c'est pas le même Jésus que me parle l'évangile, la parole. C'est pas le même Jésus. Ah, malheureusement. Enfin, donc voilà. Et puis, donc c'est ça quoi. Et puis merci, hein, merci pour le message. Et puis ça fait ouvrir les yeux. Et puis que Dieu entre dans toutes, que la parole entre dans toutes tes maisons. Et que voilà, que les cœurs soient réveillés, que les oreilles entendent et que voilà, les yeux s'ouvrent. Vraiment. Amen. Merci en tout cas. Et puis que Dieu vous bénisse abondamment, toute l'équipe de TV de vie, tous ces jeunes, tout ça, parce qu'on regarde vos vidéos sur Internet, ou dans les bus, dans les trains, tout ça. Vraiment, c'est du power. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Eh ben, que Dieu soit béni, il y aura du power encore ce soir. Ah oui, vraiment. Ça, c'est les véritables enfants de Dieu. Ça, c'est les véritables serviteurs de Dieu. C'est pas du blablabla, du charlatan. C'est voilà, c'est le power of God. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, on va prendre rapidement Psaume chapitre 2. C'est bien que tout le monde soit là. Ça va nous faire du bien à tous. On vous prend un peu en otage quelques secondes. Psaume chapitre 2, mes amis. Nous sommes à partir du verset 1er. Psaume chapitre 2. Et c'est une parole prophétique que David, roi d'Israël, a reçue de la part du Seigneur. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre Yahweh, l'Éternel, et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Et Yahweh m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et on s'arrête là. Voilà. Donc David a reçu cette parole prophétique. Il était étonné. En fait, donc, je dirais que David a été transporté, n'est-ce pas ?
près de 1000 ans, n'est-ce pas, plus de 1000 ans dans le futur, précisément à l'époque, n'est-ce pas, de Yeshua, hein, lors de sa première venue. Hein, donc, et regardez ce que Pierre va dire dans Actes chapitre et voilà Actes chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, hein, n'est-ce pas, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Et en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués, hein, dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et on apprend ici que les rois dont il était question ici, hein, donc, et les princes, c'était, n'est-ce pas, Hérode et Pilate. Alors Hérode était d'origine, il était de l'Idumée, donc c'est-à-dire d'origine édomite. Hein, son ancêtre était Ésaü. Ésaü, nous savons que était frère de Jacob. Et puis Pilate était bien sûr un procureur et, d'origine romaine, donc un étranger. Et ces deux personnes politiques, ces deux hommes, n'est-ce pas, politiques, Pilate et Hérode, n'est-ce pas, se sont ligués, et, ainsi que les dirigeants des Juifs, c'est-à-dire les religieux, les scribes, les pharisiens, tout ça. Ils s'étaient ligués contre loin de Dieu, contre le Seigneur Yeshua. Et voilà, et la parole nous dit également dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 12, « Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ce même jour, à cause de Jésus-Christ, à cause de la haine qu'ils avaient contre Jésus-Christ, ces deux hommes qui étaient ennemis hier sont devenus amis aujourd'hui. » Amis. Voyez, ils sont devenus amis et pour, n'est-ce pas, et attaquer Jésus-Christ, pour l'empêcher de répondre à l'appel, n'est-ce pas, du Père. C'était ça l'objectif. Et plus loin, Satan visait en fait nous autres parce qu'il ne voulait pas que le monde soit libéré. Il ne voulait pas que les âmes soient libérées. Voilà pourquoi il va, n'est-ce pas, réconcilier provisoirement les ennemis jurés, Pilate et Hérode, parce qu'ils avaient un ennemi commun. Écoutez bien ce que Dieu veut nous communiquer ce soir, frères et sœurs. Nous allons quelque part. Alors ceux qui nous ont appelés, ceux qui veulent appeler, attendez juste quelques minutes, le temps de finir un peu la pensée que Dieu me donne. Cette pensée, il me l'a donnée depuis la maison, depuis chez moi. Donc, David, 1000 ans à peu près avant Jésus-Christ, va effectuer un voyage dans le temps. Et il va prophétiser, il va voir, n'est-ce pas, ce grand complot. Et il dira pourquoi ce tumulte, il était étonné. Pourquoi ce tumulte, n'est-ce pas, et parmi les nations. Et le mot tumulte ici signifie aussi complot. Pourquoi ce complot? Et il dit également que les princes se liguent avec les rois. Le verbe se liguer ici, yakad en hébreu, signifie s'asseoir ensemble pour délibérer, se réunir autour d'une table pour parler de quelqu'un, s'asseoir autour du nom de quelqu'un. Donc il y a des onctions que Dieu suscite qui poussent les ennemis d'hier à l'amitié, qui les poussent à s'asseoir ensemble, malgré eux. Ils ne s'aiment pas, ils se détestent, mais ils vont quand même s'asseoir ensemble. Parce que Dieu, c'est lui qui les oblige à être ensemble. Ils ne se rendent même pas compte que c'est Dieu qui les oblige. Allons voir encore quelque part.
Nous sommes dans Michée. Nous allons nous balader dans la parole, frère. Je sais que vous êtes amoureux de la parole du Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi vous avez tant d'ennemis. Nous sommes dans Michée chapitre 4. Et voilà, Michée chapitre 4, nous sommes au verset 11. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de Yahweh. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qui les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Donc c'est Dieu qui va rassembler les nations contre son peuple. Avant que le monde ne soit créé, Dieu avait déjà décidé que tes ennemis allaient se rassembler. Avant même qu'ils ne naissent, Dieu les a rassemblés comme des gerbes afin de mieux les cueillir. Parce que s'ils sont dispersés, ils ne pourront pas être bien frappés. Il faut qu'ils s'assemblent, qu'il y ait des connexions charnelles. Afin que quand Dieu va frapper, tout le monde saura que c'est Dieu qui a frappé. C'est terrible comment Dieu fonctionne, mes amis. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme, fils d'un homme, pour mentir. Oh non! Les nations se sont rassemblées contre Jérusalem. Et voilà ce que, mes amis, la parole nous dit. Regardez bien. Dans Apocalypse chapitre 16 et 16. Je sais que vous êtes amoureux de la parole. L'évangile pur. Aujourd'hui, le thème, c'est la guerre, mes amis, entre les prophètes de Yahweh et les prophètes de Baal. Amen. Ouh, Dieu est trop fort. Alléluia. Regardez Apocalypse chapitre 16. Nous sommes à partir du verset, mes amis, 12. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit. Donc Dieu va retirer l'eau de ce fleuve pour préparer la guerre entre les prophètes de Baal et les prophètes de Yahweh. Dieu va retirer l'eau de fleuve comme un livre, comme une page qu'on va tourner pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Voilà comment Dieu fonctionne, frère. Il va lui-même préparer une autoroute pour leur faciliter la tâche afin de mieux les frapper. Je vis sortir de la gueule du dragon, le diable, de la gueule de la bête, le faux prophète, et de la gueule du faux prophète, donc l'antéchrist et le faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Dieu aime le combat. Dieu aime combattre. Sinon, au ciel, mes amis, il va y avoir... il faut qu'il y ait la guerre. Avant que le diable ne soit créé, Dieu savait qu'il allait créer un ange qui allait devenir Satan. Pourquoi Dieu ne l'a pas empêché? Parce qu'il fallait qu'il combatte. Dieu va laisser, selon juge, certaines nations cananéennes pour que les Hébreux apprennent la guerre. Donc, si Dieu laisse tes ennemis t'attaquer, c'est pour que toi, tu sois exercé à la guerre. Sinon, tu vas tomber, tu vas mourir, tu vas t'ennuyer. Il faut que ton onction soit excitée. Toute onction divine est excitable, doit être excitée. Sinon, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait le mont Carmel, que le peuple voit où sont les faux, où sont les vrais. Amen. Voilà le message, frère. Et on nous dit que ce sont les démons, les esprits impurs. Et la parole nous donne d'autres précisions concernant ces démons impurs-là. Écoutez bien, frère. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Nous sommes dans Matthieu. Allons voir un des démons impurs dont il est question ici. C'est quelque chose que Dieu m'a montré. Oh, les amoureux de la parole du Seigneur. Dieu est trop fort, frères et sœurs. Ouh! Seigneur, ta parole est la vérité. Voilà. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 12. Nous lisons le verset 27. Et si moi je chasse les démons, voilà, verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince de démons. D'accord? Et le Seigneur dit,
Verset 27. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Et regardez le verset, n'est-ce pas? Et vers la fin, et le Seigneur dit, et au verset, voilà, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il le sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne le sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et je vais prendre un autre passage où il y a une précision, n'est-ce pas, il y a un détail qui n'existe pas ici, où il est dit que le Seigneur a parlé ainsi parce qu'il disait qu'il chassait les démons par des esprits impurs. C'est-à-dire le démon de Belzébul. Belzébul est aussi identifié comme étant l'esprit ou un esprit impur. N'est-ce pas? Donc on le voit dans Marc chapitre 3, verset 22 à 30 là-bas. Voilà. Donc, frères et sœurs, c'est-à-dire que Belzébul, hein, donc certainement ces grenouilles-là devaient être également des esprits. La parole le dit que ce sont des esprits qui opèrent des miracles. Hein. Donc on voit que Belzébul aussi opérait des miracles. Donc, Belzébul, mes amis, est ce démon qui utilise aujourd'hui beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait la confrontation. C'est pour cela, mes amis, Dieu rassemble hein, les descendants de Belzébul sur le mont Carmel. Et Dieu veut exposer, mes amis, leurs œuvres, leurs pratiques. Regardez dans Marc chapitre 3, verset 30. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Voyez, frère? Donc le Seigneur dit que Belzébul est un esprit impur. C'est pour cela que ceux qui prêchent l'évangile tronqué mènent une vie impure. Le fait de vendre les CD, c'est de l'impureté. Le fait de faire des photos avec des affiches, c'est de l'impureté. C'est une abomination devant Dieu. Voyez? Parce qu'on présente aux gens les images des hommes mortels. Et regardez, frère, Dieu dit dans la parole que celui qui rassemble, et on voit ici dans Apocalypse 16 là-bas, que ce sont les démons qui vont rassembler les nations pour attaquer Jérusalem. Et dans Zacharie 14, Dieu dit quoi? Dieu dit, mes amis, et au verset 2, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc si les démons t'attaquent, si les faux pasteurs t'attaquent, toi qui crains Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui les rassemble. Garde le silence. Si les gens parlent de vous sur les réseaux sociaux, ils font votre publicité. Parce que ceux qui ne connaissaient pas Trésor, ceux qui ne connaissaient pas mes amis, je ne sais pas, Joël, ou, ils vont commencer à se poser des questions. Mais qui sont ces gens-là? Vous voyez vous-même que beaucoup de gens arrivent au message, arrivent à écouter cet évangile parce qu'ils ont tombé d'abord, ils sont tombés d'abord sur des gens qui nous critiquent, qui nous combattent. Donc, il n'y a pas d'autre moyen. Dieu a trouvé un moyen efficace pour faire la pub de la vérité. Ce sont mes amis Hérode et Pilate. Donc, ton onction les excite, les pousse à s'unir. C'est ton onction. Malgré eux, ils ne s'aiment pas. Ils se connaissent. Ils savent que un tel est impudique. Ils savent que tel autre est un voleur. Ils se connaissent. Mais ils vont s'unir malgré eux. C'est Dieu qui les unit. Ils n'ont pas le choix. Qui peut résister contre le Créateur? Personne. S'il n'y avait pas Goliath, qui allait entendre parler de David? S'il n'y avait pas de lion, David allait avoir quel CV? S'il n'y avait pas l'ours, qui allait accepter son CV? Pour être embauché dans l'armée de Dieu, il fallait qu'il présente un CV. Il dit, quand un lion venait, je lui arrachais la gueule. Hein, je déchirais sa gueule. Quand un ours venait, c'est pareil. C'est pour cela que Dieu l'a embauché. Parce que Dieu a dit, voilà l'onction que je lui ai donnée depuis le ventre de sa mère. Oui, c'est comme ça. Quand Goliath s'est présenté devant l'armée de Juifs, Saül, le roi, s'est caché. Pourtant, il avait reçu l'onction royale. Mais il n'avait pas, mes amis, une vie d'intimité avec le Père. Pas de rencontre avec le Seigneur. Donc, ne vous tracassez pas. Laissez les gens se lever contre vous. Laissez les gens se liguer. Laissez-les se mettre ensemble. C'est une grâce. Mes amis, c'est une grâce. Moi, je suis excité quand les gens se mettent ensemble contre nous, contre le message. Mais c'est une grâce.
Parce qu'on ne peut s'exciter, s'unir que contre les vrais enfants de Dieu, frères et sœurs. Hmm? Les alliances. Vous allez voir ça, frère. Vous allez voir. Vous allez voir que les Balaamites, c'est-à-dire ceux qui ont l'esprit de Balaam, les Coréites, ceux qui ont l'esprit de Corée, les Cananites, ceux qui ont l'esprit de Caïn, hein? Mes amis, les Abiramites, ceux qui ont l'esprit d'Abiram, tous ces descendants de tous ces sorciers, mes amis, aiment se mettre ensemble alors qu'ils ne se connaissent, ils ne s'aiment pas. Allons voir dans Daniel chapitre 2. Donc les gens vont de plus en plus se liguer contre vous. Préparez-vous à cause de la vérité que vous avez acceptée. Voilà. Daniel chapitre 2, mes amis, nous lisons et nous lisons à partir du verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Vous voyez déjà ici, vous voyez une statue dont, dont une partie de pieds, de jambes, hein, de pieds était en argent. Hein, en partie de fer, pardon, et une autre partie d'argile. Comment vous allez expliquer ça? Le fer et l'argile. Prenez, allez dans la nature, essayez mes amis de coller l'argile, hein, au fer. C'est impossible. Mais pourtant, ces deux, hein, ces deux matières-là, ces deux choses sont amies contre quelqu'un. Alors que mes amis, il n'y a pas de, il n'y a pas d'unité. Mais ils sont quand même ensemble. Parce qu'ils ont un objectif commun. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Voyez mes amis, pourquoi la pierre, Yeshua, le rocher des âges, pourquoi n'a-t-il pas frappé la tête? L'or. Pourquoi seulement les pieds? Mais c'est précisément parce que l'argile et le fer, c'est-à-dire, mes amis, les alliances des sorciers. Ces sorciers se sont ligués hein, contre la pierre. Voilà pourquoi Dieu commence par briser la source de leur force. L'unité apparente. Voyez? Donc, on voit aujourd'hui l'œcuménisme. Voilà, un peu du fer, un peu d'argile, on fait l'œcuménisme. Le syncrétisme. Voyez, le New Age, hein, le syncrétisme, le New Age, mes amis, un peu de l'hindouisme, un peu du judaïsme, un peu de l'islam, un peu du catholicisme, un peu du protestantisme, un peu de tout, un peu de là, on prend, on mélange, ça donne quoi? Ça donne, mes amis, un monstre. Et Jésus commence par briser la statue au niveau des pieds, c'est-à-dire les fondements. Voyez, frère? Et ni la tête, ni la poitrine, ni les cuisses étaient touchées. D'abord les pieds, là où il y avait l'unité. Et la parole nous dit, alors le fer, l'argile, les reins. Regardez, vous allez compter vous-même, hein, vous allez voir à quel point cette statue était, mes amis, complètement difformée. Complètement, mes amis, c'est un mélange de tout. Hein, c'est l'œcuménisme dans son paroxysme. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. Le corps de Christ est composé essentiellement des pierres. Mais le corps babylonien est composé, premièrement, ici on nous dit, du fer. Deuxièmement, de l'argile. Troisièmement, de l'airain. Quatrièmement, de l'argent. Et ensuite, de l'or. Vous vous rendez compte? Quatre métaux et de l'argile. Tout ça, ça a donné naissance à cette grande statue. Voilà, mes amis, le paroxysme de l'unité des enfants de Satan, des personnes animées par l'esprit de Belzébul. Et cette statue, comme vous la voyez ici dans la Bible, elle est composée de plusieurs, mes amis, métaux, de l'argile
Elle représente le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Elle représente l'Europe, elle représente l'ONU. Mais ce soir, nous allons parler de l'association, parce que cette statue représente aussi l'association des faux pasteurs, pour donner naissance aux fédérations d'églises, pour donner naissance au pastoral, pour donner naissance aux associations des pasteurs. Alors qu'ils se connaissent entre eux, il y en a qui sont adultères, impudiques, voleurs, mais ils sont ensemble. Vous allez voir avec la Bible à l'appui que les vrais prophètes dans la Bible n'étaient pas, mes amis, en compagnie, mes amis, d'autres ministères à gauche, à droite. Vous allez voir ça. C'était les solitaires. Vous allez voir. Ils n'étaient pas en association avec, mes amis, des ministères qui étaient différents sur le plan. Ils travaillaient avec les gens sanctifiés. Avec les gens qui avaient la même, mes amis, la même identité chrétienne, c'est-à-dire des pierres vivantes. Et là, Babylone, on voit dans Babylone, c'est le, en fait, le mot Babylone signifie confusion par le mélange. C'est ça, Babylone. C'est pour cela que Dieu a confondu leur langage à Babel. Babel qui veut dire confusion par le mélange, confusion. Babel qui veut dire également la porte, mes amis, des dieux. Vous voyez? Et c'est ça, Babylone. C'est-à-dire, il y a du fer, il y a de l'airain, il y a de l'argile, il y a de l'or, il y a de l'argent, voyez, et ça a donné naissance à un monstre qu'on appelle, mes amis, œcuménisme, qu'on appelle, mes amis, fédération d'église. Si votre église est dans une fédération, quittez-la. Si votre pasteur est dans une fédération, abandonnez-le, parce que c'est de votre éternité dont il est question. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» Cette statue, c'est la prostituée dont il est question dans Apocalypse 17. Cette femme qui enivre les gens avec sa coupe, avec son vin de la débauche. Daniel avait résolu, ainsi que ses amis, Shadrach, Abednego et Meshach, de ne pas se souiller par les vins du roi. Et par les mets, par la viande qu'ils mangeaient, par les viandes qu'ils mangeaient. Parce que la vraie version, c'est nous parle de viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, frère? Donc ce mélange que l'on voit actuellement, l'église de Laodicée est mélangée avec l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Thyatire. Donc il y a Laodicée, Thyatire, Éphèse, Pergame, vous voyez? Et il y en a cinq. Éphésiens, Laodicée, Thyatire, Pergame et, n'est-ce pas, la cinquième, et cinq en tout, en tout cas. Vous voyez? Et un mélange terrible. Terrible. Il y a effectivement donc Laodicée, Sardes, Pergame, Éphèse et Thyatire. Voilà les cinq églises mélangées et qui a donné naissance à l'église paganisée, à une fédération des pasteurs, à une collaboration, mes amis, entre les pasteurs qui ne s'aiment pas, voleurs, mendiants, impudiques, racistes, orgueilleux, tribalistes, tout ça l'a mélangé et ça a donné des connexions entre les uns les autres et ils s'invitent mutuellement, ils se congratulent entre eux et ils ont créé leur monde à eux, ils ont chassé Jésus de leur discours, ils ont chassé Jésus dans leur fonctionnement et ils ont mis en place les ventes des produits dérivés, les ventes des CD, les ventes d'ouvrages. Ils ont mis en place la dîme, ils ont mis en place c'est un marché, c'est un grand marché, c'est Babylone, c'est ça Babylone, Apocalypse 18. Voyez frère, et regardez ce que la parole nous dit, mes amis. Et on nous dit dans Daniel, verset 40, 40 à 43, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Et on y est, ce royaume-là. On y est, le monde d'aujourd'hui. De même que le fer brise et rompt tout, il brise et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de fort, de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile.
Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des semences humaines. D'accord ? Ou des alliances, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. C'est-à-dire, ils ont une unité apparente. Mais ils ne sont pas unis parce qu'ils se connaissent les uns les autres. L'argile sait que, en face de moi, le pasteur qui prêche chez moi, dans mon assemblée, dans ma boutique, est du fer. Et moi, je suis de l'argile. L'argile, elle le sait. Donc, il n'y a pas. Ils se connaissent, frère. Croyez-moi. Quand vos pasteurs invitent leurs bishops, leurs collaborateurs qui viennent d'ici et là, mes amis des États-Unis, d'Afrique, tout ça, pour faire des séminaires sur séminaires dans vos bâtiments là, ils se connaissent. Ils ne s'aiment pas. La plupart, ils ne s'aiment pas. Ils se connaissent. Donc, ce sont des alliances humaines. Et ici, le mot alliance signifie littéralement semence, sperme. D'accord ? Donc, vous voyez la semence ? C'est ça. C'est ça, hein? C'est terrible. Et livré est comparé à une semence, donc au sperme. Donc cela veut dire que ces alliances là, sont telles que ils vont, mes amis, c'est comme une femme qui va être à se marier, se mettre avec un homme que Dieu ne lui a pas donné, destiné. Et ils vont donner naissance à un enfant monstre. C'est ce que Daniel veut dire ici. Ces alliances là vont plus loin, c'est-à-dire c'est des alliances sexuelles. Des alliances, mes amis, une relation sexuelle illicite, précisément. Et c'est comme si ces pasteurs qui sont dans ces fédérations d'église, qui s'invitent les uns les autres, sont, mes amis, même, c'est comme s'ils sont dans une relation sexuelle illicite. Homme avec homme, femme avec femme, femme avec homme, homme avec femme, comme Romain le dit, mes amis. Et ils sont... par le Seigneur, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dieu les a livrés à la cupidité. Dieu les a livrés à l'orgueil. Dieu les a livrés à l'amour des titres. Voilà pourquoi ils aiment se présenter à vous comme des grands apôtres. Toujours quand ils font des affiches, vous allez voir ces apôtres, prophètes des nations, évangélistes. Ils sont attachés au titre, plus au titre qu'à Dieu lui-même. Et ce sont des charlatans, ce sont des voleurs. Et c'est grave. Ils sont tellement aveuglés qu'ils vont collaborer avec des ministères américains qui vendent des objets, qui vendent des tasses à leur effigie. Ils sont tellement aveuglés, frappés par Dieu, qu'il n'y a plus rien à faire pour ce monde-là, frère. Et les temps sont compliqués. Ce message ce soir, et ceux qui vont le suivre chez eux, c'est pour vous dire, frère, un seul message. Quittez ces bâtiments d'église. Quittez ces lieux de mort, ces cimetières où on vous a enfermés, où on vous dépouille, on vous vole. Où on vous impose les mains, on vous transmet des démons. Frères, voyez, c'est terrible. Et regardez, frères et sœurs, l'alliance. Élie était seul contre 850 prophètes qui étaient dans la fédération de Jézabel. Voyez, frères, c'est terrible, hein? Un roi. Chapitre 18, on connaît cette histoire. Élie était seul. Voilà mes amis, les vrais prophètes sont souvent seuls. Ils ne sont pas dans l'association des pasteurs. Ils ne sont pas invités dans les églises locales parce que les églises ont peur que ces prophètes viennent les casser. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, mes amis. Hein? 1 Roi 18, regardez bien. Nous sommes... Verset 15. Mais Élie dit, Yahweh des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. N'est-ce pas? Et regardez, mes amis, la suite. À peine, verset 17, à peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Les vrais prophètes, quand ils arrivent quelque part, ils jettent toujours le trouble. Tout le monde est troublé. Tout le monde a peur de son entreprise. Tous les pasteurs font des réunions pour bloquer l'arrivée du prophète. Mes amis, si vous commencez à voir ces choses-là, sachez que l'onction prophétique commence à agir. Hein? Ils n'ont pas la paix. Ils font des séminaires sur séminaires pour, mes amis, sauver les meubles.
Parce qu'il y a des tsunamis qui arrivent. Hein? Ils font des alliances pour garder, mes amis, leurs prisonniers sous leur joug. Hein? C'est terrible. Voilà, Akab, le roi, hein, il dit à Élie, c'est toi qui jettes le trouble en Israël. C'est à cause de ton ministère que le pays est en ébullition. Que moi, je n'ai plus à manger parce que ça fait 3 ans et demi qu'il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus rien. Vous voyez? Ça ne rentre plus dans les caisses. Les caisses sont vides. Hein? Oui, à cause du message sur la dîme, nos églises sont fermées, nos bâtiments sont fermés, hein, les chrétiens ne donnent plus, hein, son onction appauvrit les gens, il appauvrit les chrétiens, c'est l'antéchrist, tout ça. Il y a toutes sortes d'épithètes qu'on colle aux enfants de Dieu véritables. Mais, plus ils attaquent, plus ils sont attaqués, plus, hein, mes amis, ils sont, mes amis, excités par Dieu. Oh Dieu, sauve-nous. Alors regardez mes amis. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de Yahweh et que tu es allé après les Baals. Voilà le problème. Les Baalamites. Les Baalamites sont nombreux. Et fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Non, les gens vont dire, non, c'est un orgueilleux. Quel orgueil ? Hein ? Quel orgueil ? Il dit, il faut me rassembler tout le monde. Tout le monde. Auprès de moi. À la montagne du Carmel. Le mot Carmel signifie verger. Le mot Carmel signifie aussi broyer. C'est-à-dire, Dieu convoque les faux pour les broyer. C'est pour ça que le mot Carmel aujourd'hui, mes amis, c'est Internet. Les faux sont obligés de faire plus de vidéos. Et ils ne savent pas que plus ils font de vidéos, plus les gens voient leur folie. Parce qu'ils veulent imiter Dieu. Dieu fait marcher les handicapés, ils veulent aussi essayer. Hein? Et ils n'arrivent pas. Ils forcent. Hein? Mes amis, l'onction arrive quelque part, les gens tombent parce que les démons sortent. Ils poussent les gens pour qu'ils tombent. Voyez? Ils ne se rendent même pas compte que Dieu expose leur nudité. Tellement qu'ils sont frappés, il y a tellement la haine, la confusion dans leur cœur, mais ils s'exposent de plus en plus. Au lieu de se cacher, ils mettent des photos partout, donc tout le monde voit à quel point maintenant ils sont devenus des stars. C'est grave, frères et sœurs, parce qu'avec le message sur la dîme comme étant une partie de la loi, donc les Baalamites maintenant sont obligés pour avoir de l'argent de mettre des systèmes, de plans, de systèmes B, de plans, de systèmes B, pour de plans de sauvetage, mes amis, parce que il faut trouver les voies et moyens pour pouvoir amasser, mais ils sont hors biblique. C'est terrible, frère. L'heure est grave. Et il faut qu'il y ait des frères qui ont le courage. Hein, qui aient le courage pour parler. Pour parler. Au nom de Yeshua. Et Élie dit, amenez-moi tout ce monde à la montagne. Pourquoi la montagne? Pourquoi la montagne? Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 5. Joël, essaie de nous lire Matthieu 5. Verset 14. Matthieu chapitre 5 verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quelle ville? Dans 1 Pierre 2, 9, Pierre dit que nous sommes une ville. Nous sommes une ville. L'église véritable est une ville. Donc l'église véritable est toujours sur le mont Carmel. Amen. Oh mon Dieu. Donc vous devez, chrétiens, écouter le message prophétique. Vous devez aimer le mont Carmel. Amen. C'est là où il y a la démonstration. Hein? Que tout le monde mette ses vidéos sur Internet. Que les chrétiens maintenant jugent qui a Dieu avec lui, qui n'a pas Dieu avec lui. Voilà. Ce n'est pas de l'orgueil, frère. Il ne faut pas confondre les choses. Dieu m'a dit qu'il faut parler. Je veux que tu démontres ma puissance à mon peuple. C'est ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'audace. Hein? Pierre dit, il y en a qui ne veulent pas que j'aille chez eux. Dans 1 Corinthiens 4. Il dit, j'irai et je connaîtrai. Non la parole, parce que tout le monde peut prêcher. Mais la puissance. Alors moi, je suis clair. Si Dieu n'est pas avec moi, j'arrête le ministère. Si Dieu ne bénit plus, j'arrête le ministère. S'il n'y a plus de délivrance, plus de guérison, s'il y a de dettes, j'arrête tout. Maintenant que tout le monde, que tous les chrétiens du monde entier soient sur l'Internet. Que tout le monde se connecte.
et que tout le monde mette ses vidéos. Que les chrétiens chez eux maintenant jugent. Qui prêche le ciel, qui ne prêche pas le ciel. Qui est mandaté par le ciel, qui n'est pas mandaté par le ciel. Ici, Élie a dit, il faut plus arrêter de boire, il faut arrêter de boiter. Maintenant, sur le mont Carmel, et toi, Akab, et les prophètes de Baal, et les prophètes d'Astarté, et le peuple, venez que tout le monde voit. Parce que les choses se font dans les coulisses. Maintenant que tout le monde voit. C'est ça le message. Nous sommes fatigués. Les gens ils veulent se cacher. Nous ne voulons plus nous cacher. Un jour, je vous ai dit, les musulmans, les salafistes sont venus me voir pour qu'il y ait un débat public. Eux avec le Coran, moi avec la Bible. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Mais si nous voulons rentrer dans les débats théologiques, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que moi, je vous dirai que Jésus-Christ est Dieu, comme la parole le dit. À la fois Père, Fils et Saint-Esprit, Père, Dieu Tout-Puissant. Vous allez me dire que non, ce n'est pas, il n'est pas Dieu, il est prophète. Alors c'est simple. Je leur ai dit, je suis d'accord, louez une salle. Mais amenez-moi, n'est-ce pas, un aveugle né de naissance. Né, hein, un aveugle né, un aveugle de naissance. Qui est un aveugle de naissance, amenez-le. Maintenant, vous allez prier pour sa guérison. Si Allah le guérit, c'est-à-dire c'est lui qui sera Dieu. Et si c'est Jésus qui le guérit, c'est Jésus-Christ qui sera Dieu. Vous serez obligé de le suivre. Ils ont dit, nous ne pouvons pas prendre ce risque-là. Alors, je leur ai dit, il n'y a pas de débat. Parce que notre Dieu n'est pas seulement celui qui parle. Il est celui qui agit. Jésus a dit, quand on a envoyé des gens pour poser la question, Jean-Baptiste envoie des gens pour poser des questions, est-ce que c'est toi qui dois venir ou pas? Est-ce que c'est toi loin ou pas? Hein? Le Seigneur a dit quoi? À l'heure même, oh j'aime la parole, à l'heure même, les démons étaient chassés, les maladies étaient guéries, les handicapés marchaient, les morts étaient ressuscités, l'évangile était annoncé. Amen. Le Seigneur a dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Comment voulez-vous qu'il y ait des témoins s'il n'y a pas les yeux? Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu, celui qui a entendu. C'est pour cela, Internet est là pour que les gens voient, que les gens entendent. Vous aussi chassez le diable, chassez aussi Belzébul, chassez aussi Lucifer des corps de gens. Que l'on voit. Au nom de Jésus, parce que Satan ne chasse pas Satan. L'affaire commence comme ça. Là. Parce qu'il vous appelle dans les coulisses, non, c'est des faux. Vos pasteurs disent, non, c'est l'antéchrist, il n'y a pas de problème. Mettez vos vidéos, les frères et sœurs vont comparer. Qu'on amène les sidéens, qu'on amène les aveugles, qu'on amène les malades. Je vous dis, frère, Dieu que je sers, qui m'a dit, va et libère mon peuple. Il est fidèle. Il agit et il agira encore. Et vous verrez que Dieu va encore agir. C'est un défi qui est lancé à tous les descendants de Balaam, à tous les descendants, mes amis, de Corée, à tous les descendants, mes amis, les faux prophètes. Le défi est lancé ce soir, que cette vidéo soit circulée. Circule au nom de Yeshua. Jesus Christ. Ah, je vous dis, frère, ce n'est pas c'est la folie de Christ. Il faut que les chrétiens voient. Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, allez lire, frère. Alors, je convoque tous les faux prophètes sur Internet, YouTube, mettez plus de vidéos. Montrez-nous là où Dieu guérit les malades, les maladies incurables. Parce que le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et lui aussi a dit, il dit maintenant, convoquez tout le monde, amenez tout le monde. Tout le monde sur le mont Carmel, la montagne de Carmel. Et on a vu que la montagne ici, dans Matthieu 5, le Seigneur a dit qu'une ville qui est sur une montagne ne peut rester cachée. On ne peut pas cacher. On n'est pas des ténèbres. Nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière. Tout le monde doit voir. Frère, quand Pierre guérissait les malades, son ombre guérissait les malades, c'était en midi, hein? En pleine journée, ce n'est pas la nuit. Le Seigneur a dit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, dans Jean 9. La nuit vient où personne ne travaille. Nous ne travaillons pas la nuit. Nous travaillons le jour. C'est pour cela Internet, c'est le jour. Tout le monde voit, tout le monde entend. Je vous dis, il y en a, ils vont se cacher. Ils ne vont plus oser. Parce que les chrétiens sont déjà réveillés. Les chrétiens sont... Il y en a, ils en ont assez d'être dépouillés, trompés. C'est-à-dire que nous voulons que vous nous montriez aussi comment Dieu bénit vos ministères. Vous voulez la dîme, vous voulez instaurer la dîme parce que vous n'arrivez pas à être soutenu par Dieu. Vous voulez mettre un système pour dépouiller encore les chrétiens. Les chrétiens ont compris, les yeux sont ouverts, c'est fini pour vous.
Ils sont réveillés. Les vrais enfants de Dieu sont réveillés. C'est fini. Ils sont contaminés par la parole. Ils ont le virus qui est la parole, la vraie parole. Et c'est fini. Parce que la parole est plus dangereuse que tout autre virus. Vous voyez, Élie dit sur le mont Carmel. Frère, il dit, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Eux, ils ne voulaient pas sortir. Ils étaient toujours en train de manger à la table de Jézabel. Oh, dans 1 Corinthiens 10, Paul nous dit que vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc la table de Jézabel, c'est la table des démons. Ils mangent quoi? Ils mangeaient quoi ces prophètes? Ils mangeaient des fausses doctrines. Ils mangeaient des mets, n'est-ce pas, succulents, du vin, de la débauche. Et Élie les a convoqués, frère. Convocation. Vous savez quoi? Ils n'avaient pas le choix que de venir parce qu'ils étaient plus nombreux. Comme je vous ai dit, Élie était seul. Seul, face à tout ce monde-là. Vous voyez, non? C'est-à-dire que les vrais chrétiens sont souvent seuls. Souvent seuls. Paul dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Et vous verrez que les enfants du diable n'aiment pas travailler seuls dans leur coin. Ils cherchent toujours des connexions ici et là. Ils courent après les connexions. Ils vont aux États-Unis, ils vont faire venir les ministères des États-Unis ici et là parce qu'ils courent après ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec les uns les autres. Nous sommes dans un corps. Mais eux, ils courent après les connexions à gauche, à droite. Élie les a convoqués. Et on connaît la suite. Hein. Il a dit, maintenant, prenez un taureau, moi je prendrai aussi un taureau. Prenez un taureau, je prendrai un taureau. Et ils ont pris un taureau. Ils ont, mes amis, ils ont fait leurs incantations. Ils ont coupé en plusieurs morceaux. Ils ont invoqué Baal. Ils ont invoqué Baal matin, midi, soir. Rien. Et tout ça devant le peuple observé. Ah, frère, leurs disciples aussi observés. Leurs, mes amis, leurs adeptes, ils ont invoqué matin, midi, soir. Baal, frère, ne pouvait pas répondre. Vous savez pourquoi? Le démon était bloqué par les anges, certainement. Il va répondre où, frère? C'est Dieu qui maîtrise le feu. Parce qu'il est le feu dévorant. Donc ce jour-là, tous ces petits feux étaient dévorés par le feu dévorant. Frère, ils ont invoqué, rien. Mes amis, vers le soir, Élie même se moquait d'eux. Il y en a qui même qui disent, non, Élie se moquait d'eux. Mais il faut arrêter, mes amis, de... Élie ne se moquait pas de frères. Élie voulait que ces gens comprennent qu'ils étaient ridicules. Baal ici, Baal là, Baal ici. Un Dieu que vous invoquez qui ne répond pas, c'est un Baal. Baal ne répond pas. Je vous dis, vous prenez un handicapé, vous voulez le faire marcher, il ne marche pas. Ça, c'est Baal. Voilà. Vous avez des dettes dans vos assemblées parce que vous priez Baal. Dieu de la Bible qui vous appelle au ministère et il va vous laisser avoir des dettes. Non, mais c'est pas le Dieu de la Bible. C'est un démon qui vous appelait, c'est un démon que vous travaillez, que vous servez. Frères, sœurs, oh que Dieu nous aide. C'est pour cela, frère, quittez ces bâtiments, quittez ces maisons d'église. Priez chez vous avec vos femmes, vos maris. Et prier dans les assemblées où Christ est proclamé dans toute sa vérité, où il y a la vie. Ça oui, pas de problème. Frère, Élie, maintenant à son tour, au verset 30, au verset 29, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. On nous dit qu'ils prophétisaient aussi. Hein. Tout le monde prophétise aujourd'hui. Hein, tout le monde parle en langue, hein, le rakamakawaka, tout le monde parle de ça. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Baal, mes amis, était en vacances. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Mais avant cela, le verset 27. À midi, Élie se moqua, et il se moquait, ouais. Il se moqua d'eux, c'est écrit. Et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé. Ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Si c'est Chora qui dit ça, on va dire il est orgueilleux. Ben moi, je vous dirais la même chose. Continuez à prier. Continuez à faire des vidéos. Continuez à voyager dans le monde entier. Peut-être que votre Dieu dort. Continuez à faire des affiches. Moi, je ne fais pas d'affiches. Une seule annonce suffit. Dieu lui-même va parler, donner des visions. Oh, j'aime Dieu. Dieu va dire aux gens, allez là-bas. Oh, mes amis, c'est magnifique. C'est ça la différence, chrétien. Cette génération verra la différence. Amen. Je vous dis ce soir, je mets mon ministère au défi.
en jeu. Si Dieu n'agit pas dans ma vie, j'arrête. Si vous, vous réussissez, j'arrête le ministère. Mais parce que Dieu est Dieu, frère, oh, il a fermé votre ciel. Vous allez crier matin, midi, soir, rien. Vous allez jeûner, vous allez maigrir. Il n'y aura rien. Et le peuple sera libéré. Il faut de l'audace pour cette génération-là. Je vous dis, c'est des déclarations prophétiques. Vous allez voir, ils vont de plus en plus vendre leurs albums parce qu'ils n'ont pas, parce que Dieu ne les soutient pas. Nous, nous ne vendons aucun album. Tout est gratuit. Nos livres, on met dessus, interdit à la vente. La Bible que nous sommes en train de réviser, c'est gratuit. Et Dieu donne l'argent. En 5 mois et demi, plus de 60 000 euros. Et un bus qu'on vient de donner pour TV de vie. Ce n'est pas de l'orgueil, frère. Il faut que vous compreniez qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Il faut qu'on vous témoigne ces choses, que vous compreniez. Peut-être que vous n'avez jamais entendu de tel message, parce que ça peut vous choquer, mais vous devez être libéré de la religion. S'il n'y a pas de voix qui se lève pour crier, personne, mes amis, ne va bouger. Si Élie ne s'était pas levé pour parler, personne n'allait bouger. Tout Israël serait décimé. C'est ça, frère. Je suis sûr de mon Dieu. Je vous dis, je suis sûr de celui qui m'a appelé. Sûr et certain. Pendant que vous, vous êtes en train de louer, là, de souffrir, tout ça, là, mes amis, là, avec des dettes, Dieu nous a donné de l'argent cash pour acheter cash. Cette semaine, jeudi soir, une émission spéciale. Ce jeudi-là. Connectez-vous sur TV de vie. Ce jeudi. On va vous annoncer des bonnes nouvelles encore. Là. De bonnes choses. Mes amis, vous êtes tous invités si vous le souhaitez. Surprise, vous allez voir. Venez, vous allez voir ce que Dieu fait. Là. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah. Connectez. Venez, vous êtes invités. Alléluia. Vous serez présents. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. C'est le Mont Carmel. Mont Carmel, au nom de Jésus de Nazareth. Mont Carmel. Le 19 décembre, Mont Carmel. Ah. Le temps... Je vous dis, c'est fini. Le coin, comme disent les Ivoiriens, là, le coin est gâté. Il n'y a pas un seul coin du globe où vous allez vous cacher. Là. Vous allez vous repentir, sinon. Dieu est bon. Alléluia. Et Élie dit, mes amis, au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple. Élie, parle au peuple. Voyez, frère, parle au peuple. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Le peuple était fatigué. Le peuple était loin. Approchez-vous. Et Élie rétablit l'autel de Yahweh qui avait été renversé. Élie va rétablir l'autel. C'est le ministère de rétablissement, de restauration, de la réforme. Le retour à la source, à l'évangile authentique, à l'évangile vrai, basé sur Jésus. L'évangile qui dénonce les charlatans, qui dénonce Babylone. Il prit 12 pierres. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels Yahweh avait dit « Israël sera ton nom ». Élie est revenu à la source. Il est revenu à la source, Jacob. Parce que c'est à Jacob que Dieu avait fait cette promesse. Et il va rétablir l'autel qui avait été renversé. Aujourd'hui, frère, la vérité est presque renversée dans beaucoup d'églises. La vérité est renversée. Le fait de l'enseignement sur le retour de Jésus n'est plus proclamé, annoncé. Le retour de Jésus, la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour la vérité. Se préparer pour son retour. L'enseignement sur les noces de l'agneau. Et c'est plutôt le ventre, le ventre, le ventre. Il faut manger, manger, manger. On veut prêcher pour manger. On veut faire ci pour manger. On veut que... C'est grave. Que Dieu nous épargne, nous garde tout ça là. Élie rétablit l'autel. Et la parole nous dit, il arrangea le bois, n'est-ce pas? Il va arranger le bois. Ici, nous avons l'image de la croix. L'autel, c'est la croix. Le bois, c'est la croix. Il revient à la source, la croix. Il coupa le taureau par morceaux. Ça, c'est le sacrifice. Yeshua. Et le plaça sur l'autel. Puis il dit, remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'autel et sur le bois. Logiquement, quand il y a de l'eau sur le bois, le feu ne prend pas. On est d'accord. Mais bizarrement, Dieu, notre Père, est à la fois eau et feu. Et il fit une deuxième fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Et les prophètes de Baal et d'Astarté et le peuple, tout le monde le regardait. Enfin, tout le monde s'était approché. Et il était au milieu. Vous voyez, frère,
seul, mais au milieu. Au milieu de faux. Au milieu des faux prophètes. Frère, oh que Dieu nous garde. Regardez, 1 Roi 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si Yahweh est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de Yahweh. Et il y a 450 prophètes de Baal. Vous voyez bien que, mes amis, les vrais prophètes, écoutez bien vous qui nous suivez ce soir, ou demain, ou je ne sais pas, un autre jour sur YouTube Dailymotion, les vrais enfants de Dieu sont souvent seuls avec Dieu. Très souvent. Dieu leur impose souvent la solitude. Mais les faux pasteurs, les faux chrétiens, ils sont connectés les uns les autres. Regardez bien. Ils font séminaire sur séminaire avec plusieurs pasteurs différents. Alors qu'ils ne sont pas forcément unis. C'est comme Hérode et Pilate. Ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus amis pour combattre le Seigneur. Et Élie ici était seul. Et Dieu lui dira plus tard qu'il s'était réservé 7000 personnes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Donc nous sommes dans une génération où Dieu a, mes amis, caché beaucoup de chrétiens qui sont cachés dans leur maison, qui sont fatigués du péché, fatigués de l'état de nos églises, qui sont fatigués de tous ces séminaires payants, de toutes ces affiches de pasteurs qui sont devenus des véritables stars, des vedettes d'Hollywood, qui sont attachés au titre, qui font des conférences payantes, qui font des concerts payants, qui sont devenus ces chantres chrétiens soi-disant, qui sont comme des Beyoncé, des Rihanna partout. Hein? C'est le monde à l'envers. Et beaucoup de chrétiens sont fatigués de ces choses. Dieu les a sortis de tous ces systèmes religieux et ils sont comme ces 7000 personnes qui sont là dans la solitude avec Dieu, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs maris. Et ils prient dans leur maison 5, 3, 4, 7. D'autres sont encore dans ces bâtiments, dans ces maisons d'église babylonisées, complètement paganisées. Mais ils ne participent plus au niveau du cœur avec tout ce qui se passe. Ils sont fatigués, dégoûtés. Et ils sont en train de se préparer pour partir, pour sortir. Et très peu sont au devant de la scène. Prennent le risque pour dénoncer, n'est-ce pas, en dénonçant ouvertement Babylone. Ils sont très peu. Il y en a, mais ils sont très peu. Ici et là, ils sont disséminés ici et là. Et ils sont seuls. Ils sont persécutés. Ils sont rejetés. Ils sont lapidés. Ils sont accusés faussement. On leur prête des intentions. Et on ne comprend pas toujours leur message. Mais ils crient. Ils sont ici et là. Et ils parlent. Ils crient. Et ce sont des solitaires. Et frère, Élie a prié. Et la parole nous dit, Dieu va répondre par le feu. On connaît l'histoire. Le feu va descendre, va consumer l'Holocauste. Dieu va agréer l'offrande d'Élie. Et quand le peuple a vu cela, Élie dira à Dieu d'abord, je fais tout selon ta parole. Il n'y a pas la gloire de Dieu sans la parole, sans la sanctification. Et le feu de Yahweh tomba et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres, et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Vous avez déjà vu un feu qui va consumer même les pierres, hein, et absorber l'eau? Quel est ce feu-là? Le feu dévorant. Yehoshua. Et quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. Comment voulez-vous que les chrétiens découvrent Dieu véritablement s'il n'y a pas le mont Carmel? C'est pour cela, mes amis, soyons tous sur le net, dans la prière, connectés. Et Dieu, même dans vos songes, vos visions, il vous parlera de plus en plus de qui le sert, qui sont ceux qui le servent, qui sont ceux qui ne le servent pas. Dieu vous parle, il vous parlera encore. Le peuple a vu, parce que le peuple avait perdu la vision. Et le peuple a dit, c'est Yahweh qui est Dieu, c'est Yahweh qui est Dieu. Et là maintenant, comme le peuple a vu, Élie a eu encore plus de courage. Il dira maintenant à ce même peuple, saisissez tout ce monde-là. Avant, il tremblait devant eux. Il tremblait. Mais quand le peuple a vu qu'il n'avait pas l'onction,
que Dieu n'a créé pas leur ministère. Hein? Ils ont saisi leurs prophètes. Même les fils spirituels de ces prophètes-là les ont saisis. J'imagine, il y en a qui disaient, toi aussi Jacques, tu me saisis. C'est moi qui t'ai nourri, non? Frère, Élie dit qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils le saisirent. Élie le fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Là maintenant, Dieu va décapiter. C'est avec l'épée de la parole aujourd'hui, Dieu décapite les prophètes de Baal. Et Élie dit à Acab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Acab monta pour manger et pour boire. Voilà un homme de Dieu qui donne des ordres au roi. Et le roi obéit. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont des présidents qui donnent des ordres aux pasteurs et ils s'inclinent. Les bishops, les grands ministères, ils sont à genoux devant les hommes de ce monde. Oh Dieu, aide-nous. Alors qu'il fut un temps, c'était les prophètes qui, mes amis, établissaient les rois. Alors, mes amis, l'heure est grave. Et Élie va se sauver devant Jézabel. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il va susciter, mes amis, Élisée. Il va susciter, mes amis, alléluia, Jéhu. Et Jézabel va être décapitée. Elle va être jetée, mes amis. Elle va être écrasée par le Seigneur. Non, Dieu n'a pas dit. Il a, mes amis, il y a des gens qui n'ont pas fléchi les genoux. Parmi eux, vous avez des ministères d'Élie, des ministères d'Élisée, des Jéhu, qui ont l'amour de la vérité, qui ont soif de la vérité. Et je vous assure, il y en a de plus en plus aujourd'hui, des hommes et des femmes. Dieu nous les montre quand nous allons ici et là. Nous voyons des foules que Dieu envoie, des gens qui viennent. Nous étions à Niort ce week-end, ce dimanche. Nous avons vu des frères et sœurs français de souche, des églises Assemblées de Dieu, ADD, qui ont déserté leur réunion pour venir écouter la parole, frère. Et Dieu a délivré quelques-uns, alors que les ADD ne croient pas à la délivrance. Ah, frère, quelqu'un qui a été délivré, vous allez lui dire, c'est l'antéchrist, il ne va pas vous écouter, il va dire, non, je ne sais pas, comme l'aveugle de naissance dans Jean 9. Il dit, je ne sais pas s'il est pécheur ou pas, mais ce que je sais, c'est que j'étais né aveugle. Maintenant, je vois. C'est ça le problème aujourd'hui, Poupon. Hein? Oh, Chora et l'antéchrist, il y en a comme je vous ai dit, ils ont dit que non, Chora était dans la chambre d'une chantre, hein, que je marchais comme ça sur la plante des pieds pour rentrer dans sa chambre, dans un hôtel. Amenez-moi cette vidéo. Oh, nous avons des enregistrements. Diffusez-les. Depuis des années, je vous dis, mettez-les sur Internet, que le peuple entende. Arrêtez de tromper les gens en les appelant, en les menaçant, tout ça là. On entend tout, on sait tout. Vous avez échoué. L'évangile va être prêché. Les chrétiens seront délivrés. Les enfants de Dieu seront libérés. Je continuerai à vous dénoncer au nom de Yeshua. Ici, je vous dis, d'ici la fin de l'année, quand la Bible de Jésus-Christ va sortir seulement, on va arrêter les réunions de réveil à Évry. Parce que pendant 2 ans, je n'ai pas beaucoup bougé. Maintenant, j'ai hâte, je sens qu'il faut que j'aille sur toutes les montagnes pour aller décapiter les prophètes de Baal au nom de Yeshua. Je vous dis, on va louer des salles d'hôtel. TV de Vie va diffuser en direct. On nous a offert un minibus, un nouveau minibus là. On va vous le montrer. De 22 places à l'origine, ils l'ont réduit à 7 places. Et derrière, l'espace qui reste, c'est pour amener le matériel de TV de Vie. Pour stocker, pour installer. Et nous avons déjà acheté une nouvelle sono pour nos déplacements. Je vous dis, frère, on va faire toutes les villes. Nantes, Rennes, Lyon, Orléans, Marseille, et toutes les grandes villes de France, Bordeaux, partout, et Toulouse, Montpellier, partout où il y a les vrais enfants de Dieu, on va travailler ensemble pour annoncer le retour de Jésus-Christ. Il y en a des gens qui disent, si il vient ici, on va l'attaquer, j'attends. Vous savez que j'aime la guerre. Vous me connaissez, vous savez que j'aime la véritable guerre. Celle qui permet aux chrétiens d'être libérés. Je vous dis, frère. Vous allez dire, mais il est malade ce monsieur. Nous allons prendre un Corinthiens 4. Vous allez voir si Paul était malade ou pas. Tout est dans la Bible.
C'est parce qu'on l'interprète religieusement. Amen. Maintenant, il faut l'interpréter avec l'esprit. 1 Corinthiens 4. J'aimerais que quelqu'un d'autre le lise parce que sinon, on va dire que c'est dans la Bible seulement de Chora. 1 Corinthiens 4, 18 à 21. 1 Corinthiens 4, 18 à 21. Plus fort, mon frère. Je lis. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. C'est ce qu'ils disent. Qui ne viennent pas ici? Qui nous laisse tranquille dans nos coins, dans notre héritage, dans nos empires? Ils ont dit ça de Paul. On continue. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ah. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour, ou dans un esprit de douceur? Donc on va sillonner partout. Paris, Lille, partout, Nice. On était à Toulouse, des pasteurs là-bas, français de souche, ont dit, il ne fallait pas qu'ils viennent ici. Mais écoutez, il faut un visa maintenant pour aller chez vous. Moi qui suis français comme vous, je ne comprends pas. Il faut l'autorisation du pape ou d'une fédération. On n'a pas signé de contrat selon lequel, je ne veux pas aller chez vous. Venez à Paris, venez à Évry, faites des programmes à côté, c'est pas mon problème. Que les frères et sœurs aillent prier là où ils veulent, c'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est d'aller partout où Dieu m'envoie. C'est ça mon problème. Et partout où il y a les vrais enfants de Dieu, ils vont nous accueillir pour dire, frères, venez chez nous prêcher tout ce que Dieu vous dit de prêcher. Voilà. C'est ça l'évangile. Frères, vous avez à cœur de venir, avec joie, venez, on va vous accueillir. Venez annoncer tout ce que Dieu vous dit d'annoncer. Quand Paul allait quelque part, les frères, les gens disaient quoi? Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à faire, faites-les. Mais c'est ça l'évangile, non? Pourquoi vous voulez nous cantonner seulement dans un endroit? Ah non! Il se trouve même que le maire de votre ville ne vous connaît pas. Et vous vous présentez comme le bishop de la ville. Ah ben non, frère. C'est pas comme ça, c'est pas ça l'évangile. Je ne me suis pas converti pour faire de la compromission avec Dieu. J'aime être entier avec Dieu. S'il me dit va à tel endroit, j'irai. Voilà, c'est comme ça. Mon épouse est française de souche. Vous voulez lui dire dans son pays de rester à Paris seulement? Si Dieu lui dit d'aller à tel endroit, mais elle est libre d'aller partout. Et d'autant plus que nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous allons partout, Dieu nous envoie. Donc s'il nous dit Bruxelles, on va à Bruxelles. Les pasteurs là-bas avaient dit il ne faut pas qu'ils viennent. Mais nous sommes à Bruxelles, capitale de l'Europe, et nous sommes européens. Vous nous empêchez d'aller à notre capitale? Dans notre capitale, il y a un problème. Mais c'est le monde à l'inverse, d'autant plus qu'il n'y a plus de frontières. Les Européens, eux-mêmes les païens, ont enlevé les frontières. Vous mettez des frontières, mais c'est grave. Vous faites la même chose que le démon qui gérait l'empire médo-perse, qui a bloqué pendant 21 jours l'ange que Dieu avait envoyé. Vous voulez bloquer les messagers, parce que le mot ange signifie messager. Ça, c'est un esprit perse que vous avez. Vous allez être délivré de démons de Perse, au nom de Jésus-Christ. Venez à Paris, faire des programmes, ce n'est pas notre problème. On ira à Laval, on ira partout, Dieu nous enverra, au Mans, dans toute la France. Dieu m'a dit, je t'ai établi pour parler aux Européens. Donc il y a beaucoup d'Européens qui nous attendent. Beaucoup qui sont touchés par TV de vie, via TV de vie, et qui disent, frère, venez, on va y aller. Et je dis bien, nous ne menons pas une guerre contre qui que ce soit. Mais toutes les personnes qui n'aiment pas la vérité, eh bien, nous allons devoir les dénoncer. Et comme personnellement, je n'ai rien à me reprocher, personne ne peut dire, frère, voilà le dossier que j'ai par rapport à toi avec une femme. Montrez-moi les photos. Montrez-moi les SMS. J'attends ça depuis des années. Oh, il a engrossé. Tout ça, c'est pour me faire taire. Oh, il a été à tel endroit. Il a été avec tel chantre. Arrêtez les histoires. Arrêtez. Les chrétiens ont vu clair. Ils voient clair. Si vous voulez nous appeler, vous pouvez maintenant commencer à appeler. Il n'y a pas de problème. Les chrétiens voient clair aujourd'hui. C'est fini. Ils sont délivrés. Lisez ce soir, méditez Jean 9. Quand le Seigneur a guéri cet homme, les pharisiens ont dit, glorifie Dieu, donne gloire à Dieu parce que c'est un pécheur. C'est un menteur, un voleur, un impudique. Cet homme a dit quoi? Qu'il soit pécheur ou pas, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que j'ai été malade et je suis guéri. Voilà, vous parlez, guérissez aussi. Le problème est là. Vous savez mon problème c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, va et libère mon peuple. Mon peuple est retenu captif par des pasteurs. Voilà pourquoi mon message que Dieu m'a donné, c'est pour dénoncer les faux pasteurs et élever Jésus-Christ dans les cœurs des chrétiens, préparer les chrétiens pour le retour du Seigneur et dénoncer, mes amis, ces charlatans qui vous maintiennent captifs. Voilà mon ministère. Donc,
Je n'ai pas de colère contre qui que ce soit, mais mon problème, c'est de dénoncer ce système afin de permettre aux chrétiens d'être libres et d'aller servir le Seigneur. Quand Dieu a demandé à Moïse de libérer les gens, il a été voir Pharaon. Mon problème est là. C'est que vos pharaons vous gardent captifs. Il faut que justement qu'on les avertisse. S'ils ne veulent pas, on les dénonce pour qu'ils vous libèrent. Au nom de Jésus-Christ. Moïse n'a pas été voir mes amis et les cousins du pharaon. Il est allé voir le pharaon. Parce que c'est lui qui gardait le peuple. Quand Dieu dit à Pharaon, libère mon peuple, lui, il a dit quoi? Non, mais ce peuple me sert. Le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est que ces pasteurs sont des pharaons, ces apôtres, ces prophètes, et ils vous maintiennent captifs. Ils font des alliances. Ils s'invitent les uns les autres pour asseoir leur autorité sur vous dans leurs églises. Si un pasteur sent que son autorité est menacée dans son église, dans son entreprise, il va inviter un autre voleur qui va venir de loin pour asseoir son autorité dans son bâtiment d'église, pour vous maintenir dans la captivité. Et c'est pour cela qu'il faut les dénoncer ouvertement. Faites circuler cette vidéo, frères et sœurs, et partout nous irons, nous parlerons, nous dénoncerons tout ce monde-là, au nom de Yeshua. Je vous dis, vous savez, je vous dis une chose, nous ne faisons pas les choses selon la chair, mais je suis déterminé à dire tout ce que Dieu me dira de dire. Déjà, quand je suis dans le monde, je ne craignais personne. Et ce n'est pas maintenant que je suis en Christ, que je vais commencer à trembler devant les gens qui font des menaces, qui font des intimidations. Jamais, mes amis. Je ne veux pas rater le ciel à cause des hommes. Jamais. Le nom de Jérémie était l'objet de chansons des gens de son époque. Mais Jérémie ne s'était pas tu. Il avait parlé. Il avait continué à parler. Dieu lui dira, si tu trembles, je te ferai trembler devant eux. Parle. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est dans la Bible. Voyez, frère. Voilà. Jérémie était seul. Il s'est levé seul contre tout ce monde. Paul s'est levé seul contre tout ce monde. Pierre Valdo, au 14e siècle, au 14e siècle en France, s'est levé seul contre beaucoup, contre le catholicisme romain. Calvin, Luther, était pratiquement seul contre tout ça, tout ce système établi depuis des années. Et il y a eu des hommes qui ont été libérés. John Wesley, Charles Finney, c'était des hommes qui s'étaient levés pour dénoncer le système religieux et libérer les chrétiens. Mes amis, il y en a pas mal, on peut citer les noms des gens qui s'étaient levés pour dénoncer le système religieux afin d'éclairer les chrétiens. On n'est pas les premiers. On n'est pas non plus seuls. Donc il faut des courageux. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer le travail. Nous allons continuer à travailler pour notre Père Céleste et à présenter les chrétiens au Seigneur. Voilà, c'est ça le message, frère. On n'a pas l'ambition de vous enfermer dans les locaux. Voilà pourquoi ici à Évry, le programme de réveil s'arrête d'ici la fin de l'année. C'est pour vous montrer que nous ne sommes pas là attachés au bâtiment, attachés aux hommes. Nous ne sommes pas là attachés à la foule. Au contraire, nous voulons obéir au Seigneur. Quand Dieu dit, ce temps est fini, passez à autre chose, nous passons à autre chose. C'est ça l'évangile, frère. Les âmes sont amenées à Dieu et non à nous. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, Fachora. Bonsoir, je vous appelle de la ville de plaisir du 78. Oh, je me réjouis de voir toute la jeunesse qui est assise auprès de vous. Que Dieu vous bénisse énormément pour tout ce que vous faites, pour son œuvre. Et j'aimerais aussi vous demander si vous pouvez faire un tour à plaisir dans le 78. Parce qu'ici, on a trop de voleurs, trop de magouilleurs. On va tourner, ma sœur. Croyez-moi, avec toute cette jeunesse qui se lève aujourd'hui. Ah oui. Ah oui, mon cœur est réjoui, mon cœur est dans la joie de voir tous ces jeunes. Alors là, franchement, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Amen. Alléluia, bonne soirée à vous et bonne continuation. Merci. Allez, au revoir. Voilà, nous avons cette génération, mes amis, de ananasiens. C'est terrible. Vous voyez, c'est une génération de saphirienne et de ananasien, hein? Donc c'est Saphira et Ananias, hein? Donc voilà, donc c'est des couples Ananias, ouais, des couples des pasteurs qui ne veulent pas se repentir, hein? Vous avez Ananias et vous avez Saphira, ils se mettent ensemble, hein, une espèce de conciliabule, hein? Donc pour pouvoir, mes amis, s'enfoncer dans la sorcellerie, dans le faux, dans la cupidité, dans la vente des produits dérivés.
Hein? Jésus n'a pas vendu ses albums. Jésus n'a pas vendu ses messages. On va vous dénoncer ouvertement. On ne va pas se taire. On va continuer parce que les chrétiens sont debout. Beaucoup nous encouragent. Beaucoup sont réveillés. Beaucoup sont révoltés. Je vous assure, la révolution est là. Au nom de Jésus-Christ. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Je suis Henri de Chambéry. Tout d'abord, permettez-moi de faire une courte petite prière pour ces détracteurs-là. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que tu libères ces pasteurs, si c'est encore possible, afin que l'esprit de Pharaon ne persiste pas dans leur esprit, qu'il ne soit pas, Seigneur, dans la confusion et qu'il n'amène pas le peuple de Dieu dans la confusion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Amen. Frère, je t'appelle parce que je suis ici à Chambéry et vraiment nous aussi on a soif de la parole ici là. Quand le Seigneur a mis dans mon cœur que je ne devais plus bouger des assemblées, au début j'ai cru que j'étais fou. Et quand je suis tombé sur ta vidéo, je me suis dit non mais Seigneur, je ne suis pas fou, il y a aussi des gens qui pensent pareil que moi. Donc je sais vraiment pas si Dieu permet un jour que vous descendez ou bien que vous veniez ici à Chambéry, à Annecy, la région. Ça va vraiment beaucoup nous aider, nous édifier. Vous êtes combien là-bas? Vous vous réunissez dans une maison? Comment? Vous vous réunissez dans un appartement, dans une maison? Non, je suis tout seul. Là, pour l'instant, je ne vais plus nulle part. Je veux dire, à la maison, ici, chez moi, j'ai appris plus que toutes les années que je suis allé dans ces assemblées. Donc, du coup, je suis tout seul. Voilà. Avec madame et les enfants. On viendra, frère. On viendra, en tout cas. Nous avons réalisé que dans presque toutes les villes, il y a des enfants de Dieu qui attendent, qui sont préparés. Donc, croyez-moi, on va tourner. Si ce n'est pas nous, Dieu permettra d'autres personnes. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a ce réveil qui est là, cette prise de conscience où des chrétiens ne veulent plus être derrière les charlatans, ces hommes qui vendent des produits dérivés de la parole. Donc, on viendra si Dieu permet, il n'y a pas de souci. Merci, on est vraiment fatigué. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, merci. Alors mes amis, vous vous rendez compte donc que le Seigneur veut nous encourager tous, Joël. Tout le monde, mes sœurs, je sais que ce n'est pas facile, mais si certains sont tombés, tout le monde n'est pas obligé à finir tombé. Donc voilà. Vous savez, une chose, ce qui se passe, ce sont des chrétiens eux-mêmes qui vont lapider avec la parole, bien sûr, ces charlatans qui viennent avec leurs affiches, avec leurs photos, avec des titres, tout ça, qui vendent leurs albums. Ce sont des chrétiens. D'ailleurs, vous ne voyez pas que l'industrie musicale a fait faillite. L'industrie musicale chrétienne, ça ne marche plus. C'est fini d'aller plus dans ces concerts. Ne payez plus, n'achetez plus leurs CD. Ce sont des voleurs. David n'a pas vendu ses albums. David n'a pas vendu ses chants, ses cantiques. Il les a offerts gratuitement. Voilà. Et n'allez plus dans ces réunions où vous êtes volés, dépouillés, envoûtés. Ce sont des sorciers qui vous envoûtent. Ce sont des possédés, ils ont besoin de la délivrance. N'allez plus là-bas. Restez dans vos maisons, priez avec vos enfants. Et si une assemblée locale prêche Jésus, si on ne vous met pas la présence par rapport à l'argent, si on prêche l'amour, on vit la parole, si vous avez la liberté de pouvoir partager, vous pouvez y aller. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, ben, la Bible dit, mes amis, quittez ces lieux-là. Ce n'est pas Chora qui le dit, c'est la parole. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'était juste pour chanter. Nous sommes délivrés de Babylone. Nous sortons dedans. Jésus-Christ de Nazareth nous a réveillés, nous a ouvert les yeux. Donc nous disons merci à Yeshua, à Mashiach. Que le nom du Tout-Puissant soit glorifié, magnifié. Amen. Merci frère et à bientôt. À bientôt. Voilà, les preuves sont là. Les chrétiens sont debout. Fini. Votre règne est fini bientôt là. Bientôt vous allez être écrasés par le Seigneur notre Dieu. Si vous ne vous repentez pas. Hein, parce que je crois que c'est pour certains, il n'y a plus rien à faire. Ils sont déjà touchés par l'esprit d'égarement. C'est fini. Ils ont prêché, dénoncé le péché hier. Ils ont dénoncé la dîme hier. Ils ont dénoncé Béni In hier. Aujourd'hui, ils font allégeance à Béni In. C'est la confusion. 2 Pierre 2 nous dit que ce sont des chiens qui sont retournés à leur vomi. Donc, tout est de la parole. Voilà, ils ont quitté le droit chemin. Et les chrétiens ne sont pas dupes. Vous qui avez suivi ces gens quand ils prêchaient la vérité, maintenant que vous voyez qu'ils ont changé de message, quittez-les.
quittez-les, ce sont des voleurs, ils vous conduisent en enfer, abandonnez leur bâtiment, priez avec des frères qui prient, qui prêchent la vérité. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, monsieur. Oui. Je voulais parler à monsieur Chaud, s'il vous plaît. Ouais, on est là, on est en direct. Ah, ok. Monsieur Chaud, je vous ai déjà, j'appelle de l'Irlande. En fait, je veux me réjouir avec vous par rapport à l'émission que vous êtes en train de faire présentement. Amen. Je suis Ben Salamé et vraiment, ça fait 3 semaines que j'écoute votre émission et votre télévision, disons, TV de vie est devenue maintenant, moi, la télé de ma maison. Je ne regarde plus les autres chaînes de ma maison. C'est TV de vie que je regarde, j'écoute les émissions, je dors avec elle. Vous m'avez réveillé, Dieu. Amen. Vous m'avez vraiment réveillé, vous avez réveillé mon esprit. Amen. J'ai fait plusieurs églises depuis longtemps et je pensais que j'étais chrétien. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis pas chrétien. Avec tout ce que vous dites là, vraiment, vu qu'il n'est pas encore réveillé, je pense que le peuple de Dieu dort. Le peuple de Dieu dort et vous êtes venus éveiller nos consciences. Vous êtes venus nous dire que nous ne sommes pas des chrétiens, que nous sommes des suiveurs. Nous sommes contrôlés. C'est ça. Mais s'il vous plaît, frère, faites un tour en Irlande. Nous avons soif. Il n'y a que des vendeurs d'illusions en Irlande. On a suivi des hommes, on n'a pas suivi Dieu. Je vous en prie, on souffre. Venez en Irlande. Moi, où je suis là, j'ai envie de venir en France. Je suis en train de chercher avec ma femme comment y arriver. D'ailleurs, il y a une pensée, pendant que tu parlais, il y a une pensée qui m'est venue. Je vais envoyer deux frères. Hein, le mois prochain, là, Joël, ils vont faire un tour là-bas en Irlande. Oui. On va envoyer des gens là-bas en Irlande. On va faire un tour en Irlande. Le mois prochain, on arrive là-bas en Irlande. Quand, dimanche prochain? Le mois prochain. Ah, le mois prochain. On vous donnera toutes les informations sur le site de TV de Vie. Le mois prochain, on arrive en Irlande. Amen. Ne raccrochez pas, on va prendre vos coordonnées. On va se renseigner pour avoir une salle d'hôtel là-bas. Oui. Moi, je peux déjà commencer les démarches. Je peux déjà commencer les démarches. Il n'y a même pas de problème. Ok, c'est bon. Alors, ne raccrochez pas. L'équipe de va prendre vos coordonnées. D'accord. Merci, frère. Merci beaucoup. Ok, Benoît, tu prends ces coordonnées. Et puis, ben voilà. Donc, deux d'entre vous ce soir ici. Moi, je n'en vois plus tellement des missionnaires comme avant. Mais de temps à autre, Dieu peut permettre aussi que quelqu'un parte quelque part pour aller sonner la trompette. Donc, au mois d'août, vous allez à Saint-Martin, ça c'est une grâce. Les frères et sœurs de Saint-Martin, que Dieu soit béni. J'attends seulement que la Bible sorte. On va bouger, mes amis, avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, deux d'entre vous là iront en Irlande. Hein, donc, on va gérer ça. Que Dieu soit béni. Et voilà, les choses bougent. On ne va pas se taire. Tous ces coups de fil, tous ces encouragements nous confirment que Dieu veut que l'on parle encore. N'arrêtez pas sur Internet, sur les réseaux sociaux, diffusez ces enseignements. Et si vous voyez les vidéos de ces voleurs qui vendent leurs albums, qui font des photos, hein, des chantres chrétiens soi-disant qui font des photos, qui vendent leurs albums, dénoncez-les. Dénoncez-les. Au nom de Jésus-Christ. Ce sont des voleurs. Dénoncez-les. Ils ne vont pas vous tuer. Éphésiens 5, 11 nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Voilà. Jeune, personne ne pourra vous tuer. Quand vous êtes dans le monde des délinquants, là, personne n'a pu vous lever la main sur vous. Hein. Maintenant que vous êtes en Christ, vous n'allez pas être de faillots, tout ça, des pleutres. Au contraire, vous êtes des courageux de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, nous comptons. Hein. Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur la jeunesse. C'est pour prophétiser. Amen. Mais les jeunes prophétisent. Frère, au nom de Yeshua. On n'est pas seul. Vous voyez, hein? Chora n'est plus seul, c'est fini. Ici et là, il y a des frères. Il y a des frères qui se lèvent de plus en plus. Vous avez de l'autre côté là-bas, vous avez Ludovic Rouget. Là-bas, vous avez Yann. Là-bas, vous avez Benito à Orléans là-bas. Hein? Ici et là, et d'autres frères qui sont avec. Hein? Parce que ce ne sont pas des gens qui sont à la tête de quoi que ce soit. Ils sont parmi les frères.
Ce ne sont pas des gourous. Ils aiment le Seigneur, ils proclament la vérité. Ils dénoncent le système religieux. Hein? À Kinshasa, vous avez des frères comme mes amis, mon frère Eric, hein, de Kaïba, comme Blaise, il y en a plein. Abdon, à Kinshasa, tout ça là, qui se lèvent de plus en plus. Hein, au Congo, Brazza, vous avez mon frère Tché là-bas. Il y en a de plus en plus qui sont positionnés ici et là. Les charlatans, mes amis, on ne va pas les laisser tranquilles. En Belgique, vous avez des frères comme Grâce, comme Jeff, comme Cetimio, qui se lèvent de plus en plus, mes amis, malgré nos défauts, qui se lèvent parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils vont de plus en plus se lever. De plus en plus se lever, frères. Prendre position pour la vérité. Et je vous assure, la révolution arrive, frères et sœurs. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, au fait, voilà, je suis vraiment encouragée par le message que je reçois de TV de vie. Et surtout, je partage à ma famille qui est à l'île Maurice, qui s'est fait dérober par des pasteurs, vraiment incroyablement. Mais merci Seigneur, ils sont retournés à la vraie parole, ils sont à la maison. Du coup, bon, ma famille est là-bas, ils sont non grata, c'est plus que des délinquants aux yeux des pasteurs, mais je rends grâce à Dieu. Et puis moi, je suis en Auvergne, plus précisément dans un petit village, et j'aimerais bien un jour si vous passez par là, et puis voilà. On viendra en Auvergne, on viendra à Albi, les frères d'Albi là-bas, n'est-ce pas? Oui. Et de Montauban, on ne vous a pas oublié, on vous encourage encore ce soir, alléluia. Donc, Et vous êtes nombreux à nous soutenir, les frères et sœurs d'Albi, de Montauban, soyez encouragés, les frères et sœurs de partout dans le monde entier. Hein, donc à Auvergne, là-bas également, on vous encourage au nom de Jésus. Merci frère, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et l'équipe de TV de vie également, merci. Alléluia. Au revoir. Madagascar, partout, les frères et sœurs qui sont debout, l'île La Réunion, l'île Maurice, tout ça. Ne laissez pas ces charlatans vous envoûter. Levez-vous contre leur ministère. Dénoncez leur ministère. Dénoncez leur projet. Aux États-Unis, il y a des frères qui se lèvent avec leurs défauts. Hein, mais néanmoins, ils ont le courage. C'est ce que nous louons. Hein, donc, même s'il y en a, on n'est pas totalement sur la même longueur d'onde sur le plan doctrinal. Mais l'essentiel est là. Hein, donc, ils ont le courage de dénoncer ces voleurs. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein, donc, nous dénonçons ces pratiques. Nous dénonçons tous ces sites-là, tous ces sites comme les Top Chrétiens, l'enseignement.com, tous ces sites de commerçants, et donc avec force et audace. Allô, bonsoir. Ok, merci. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Donc, ça serait juste pour partager un petit passage biblique. Donc, c'est Exode chapitre 7. Et l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je t'ai établi Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Tu diras tout ce que je te commanderai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Amen. Et Pharaon ne vous écoutera point, et je mettrai ma main sur l'Égypte, et je retirerai du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je retirerai du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent donc comme l'Éternel leur avait commandé, et ils firent ainsi. Or, Moïse était âgé de 80 ans, et Aaron de 83 ans, quand ils parlèrent à Pharaon. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant, « Quand Pharaon vous parlera, il dira, faites un miracle. Alors tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron vinrent donc vers Pharaon, et firent ainsi comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela aussi les sages et les enchanteurs, et les magiciens d'Égypte firent eux aussi la même chose par leurs enchantements. Ils jetèrent donc chacun leur verge, et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Alléluia! Et le cœur de Pharaon s'endurcit, il ne les écouta point, comme l'Éternel l'avait dit. Donc effectivement, c'est magnifique parce que on constate là qu'il y avait la doctrine que Moïse avait avec lui et il avait la doctrine de Pharaon. Et on voit au final qu'il y en avait une qui a produit la vie et l'autre, celle de Pharaon, qui a produit la mort. Et on voit que la mort a été engloutie par la vie. Mmh. Donc c'est juste pour partager cela. Que Dieu vous bénisse. La verge, là, un nombre là-bas, là, mes amis, 17... La verge d'Aaron qui avait fleuri. Vous voyez, Dieu avait demandé à tout le monde d'amener sa verge. C'est le Mont Carmel. Tout le monde a amené sa verge. Tout le monde est sur le net. Les fruits maintenant vont déterminer
qui est de Dieu et qui ne l'est pas. J'aime l'Exode 8. On va finir par là, mes amis. J'aime Exode 8. Mes amis, le verset 14. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire l'époux. Mais ils ne purent pas. L'époux était sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Oh Dieu! Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Chrétien, vous êtes libre. Chrétien, votre pasteur, c'est Jésus. Votre pasteur principal, ce n'est pas Chora. Ce n'est pas un bishop. Ce n'est pas un apôtre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Votre apôtre, c'est Jésus. Votre prophète, c'est Jésus. Votre pasteur, berger, c'est Jésus. Votre chemin, c'est Jésus. Il a déjà tout accompli. Il n'y a pas un sacrifice que vous devez faire encore pour être béni. Christ a tout accompli. C'est ça l'évangile. Et il revient bientôt. C'est ça la parole. Ne suivez plus les voleurs, les charlatans, ceux qui font les affiches, ceux qui font la pub de leur ministère, ceux qui, mes amis, vous invitent à leur séminaire pour vous dépouiller. Ceux qui vous envoient des invitations, qui vous appellent dans les coulisses pour vous inviter à leurs assemblées. Qui vous envoient des liens de leurs vidéos pour vous sommer d'aller prier chez eux. Ce sont des recruteurs. Ils font du racolage, ils font du recrutement. Et mes amis, nous vous présentons le seul capable de vous libérer. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il revient rapidement, frère. On prend la dernière personne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir, frère Chora et toute l'équipe de TV de Vie. Bonsoir. Vous pouvez parler, on vous entend. Oui, en fait, nous appelons depuis à l'Est, Jeanne et Christophe, pour encourager toute l'équipe. Nous sommes vraiment très, très, très fiers de ce que Jésus fait. Merci vraiment pour cette parole de vie. Et au jour le jour, le Seigneur confirme que c'est lui qui vous a envoyé. Parce qu'on s'est vu la dernière fois, je pense, à Toulouse. Et voilà, je devais déjà vous envoyer quelques songes. Mais ça continue parce que chaque fois que je vous vois en songe, le Seigneur dit vraiment, c'est mon serviteur. Je l'ai envoyé pour ce moment. Donc, je tenais aussi à vous le dire, que le Seigneur confirme que vous êtes l'homme qu'il a envoyé pour ce moment. Et il nous dit de savoir vraiment saisir le temps. Donc, ne vous découragez pas. Quel que soit le combat, vous avez la mission que Dieu vous a donnée. Et nous, ici, sur Alès, le Seigneur voilà, se glorifie au jour le jour. On est déjà un petit groupe. Mon mari et moi, par la grâce de Dieu, le Seigneur permet que les gens soient encouragés par TV de vie. Il y en a même qui se baptisent. C'est vrai que on ne savait pas qu'on pouvait baptiser parce qu'on ne savait pas qu'on avait le droit. Et on dit gloire à Dieu parce que c'est à travers les enseignements de TV de vie que nous avons découvert que tout le monde pouvait baptiser. Donc les gens donnent leur vie au Seigneur et au nom de Jésus, les vies sont sauvées. Amen. Gloire à Dieu. Bonne continuation. Voyez, donc vous n'avez pas besoin d'un pasteur homme. Jésus-Christ est votre pasteur. Suivez-le, obéissez à ses ordres et baptisez les gens comme les disciples le faisaient dans Jean 4. Et vous êtes libérés, les chrétiens, c'est fini. Que personne ne mette encore un joug sur vous. Qu'on vous dise non, vous êtes maudits, vous êtes les sorciers vont vous tuer. Allez voir des pasteurs pour vous délivrer, pour vous protéger, pour être vos couvertures spirituelles. C'est de la sorcellerie. Vous êtes libérés. 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 Voilà. Les choses sont claires. Nous avons Saint-Martin, là, je crois, en ligne, là. Hein? Les gens de Saint-Martin, parce qu'ils suivent ce soir. Hein, chrétiens, vous n'avez pas quelque chose à dire, là, les amis, là, pour finir, là, rapidement, là. Hein? La journée de la jeunesse. Hein? Donc, on a une journée qui concerne tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui se sentent exclus quand on dit que c'est... Voilà. Donc, le 29, c'est où, le 29? Le 29 à Agnières. À Agnières, ouais, donc... Le 29... Sur le site TV des Vies. D'accord. Et l'adresse, tout ça, l'heure et puis... Une grande journée pour encourager tout le monde, hein, donc notamment des jeunes qui veulent se lever pour servir le Seigneur, pour préparer, se préparer pour son retour. Eh ben, le 29, on vous donnera toutes les informations. C'est dans la salle de Agnières où il y a eu une journée, hein, donc une réunion de rencontre avec la jeunesse le 21...
avril. Voilà. Donc, on vous donnera toutes les informations sur TV et Radio de Vie. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Et personne n'a quelque chose à dire là ? Merveille, personne, tout ça ? Est-ce que vous avez l'impression d'être avec un fou ? Hein ? Ce soir ? Ou est-ce que nous sommes tous. Vous êtes aussi des fous ? Donc, on est tous des fous, hein ? Ah ben, on peut se saluer comme on est des fous. Hein ? Alléluia. Les fous se reconnaissent entre eux. Hein ? On est fous. Hein ? On est fous et folles. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Ça ne vous choque pas quand ils vous appellent et qu'ils vous disent « Non, mais ce monsieur est rentré dans une salle d'hôtel, une chambre d'hôtel avec une femme sur la pointe des pieds. » Ouais. En fait, je pense que ceux qui sont réellement chrétiens, parce que la Bible dit que Dieu rend témoignage à notre esprit, par exemple. Mm-hmm. Je n'ai pas besoin d'écouter quelqu'un me dire « Oui, tel frère, ceci. » Je vais d'abord interroger Dieu. Amen. Moi, je sais qu'à la base, par rapport au frère, c'est Dieu qui me parle. Il me met la paix. Je sais ce que Dieu me dit. Mm-hmm. J'ai eu des gens avec qui, oui, non, mais tu sais pas. J'ai dit, je sais pas, je suis qu'un homme, mais je connais quelqu'un qui sait tout. Et je bénis Dieu parce qu'il me parle. Amen. Voilà, moi, ce que les gens me disent, Dieu m'a dit le contraire de ce que les gens disent. Je m'arrête à ce que Dieu me dit. Et toi-même dis à Joël que je gagne 20 000 euros par mois. Ils m'ont dit à moi. À toi. Oui, effectivement. Je gagne 20 000 euros par mois. J'ai 20 000 euros, je ne savais pas qui tu étais, on verra plus tard. Je dis, c'est pas ce que Dieu m'a montré. Les gens que j'ai formés à l'époque. Voilà. 20 000 euros par mois, il faut le faire, hein, mes amis. Et même si c'était 20 000 euros par mois. Que Dieu soit béni, beaucoup de jalousie. Oh, c'est fini, on va vous dénoncer au nom de Jésus de Nazareth. Alors, nous avons les frères de Saint-Martin. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô, Pedro. Oui, bonsoir. Ah, c'est Frère Bido. Frère Bido, comment allez-vous? Eh bien, bon, ça va bien, grâce à Dieu. Nous sommes très, très contents là. Il vient de travailler là. Il ne vous suit pas depuis le début, mais en attendant, c'est assez aimant. Vraiment, ça rentre dans tous nos cheveux. Et je sais, tu sais, ici, ce matin, il y a beaucoup qui vous suivent tous les lundis, les mardis et les samedis. Ah, nous sommes très, 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 très contents. Et puis, j'appelle juste pour vous encourager. Mais malheureusement, je ne peux pas rentrer. C'est pas à chaque fois que j'essaie pour parler avec vous et partager aussi mon avis. Mais malheureusement, je n'arrive pas. Ok, bah, en tout cas, on va s'organiser déjà en août. Les frères vont venir là-bas. Et puis, d'ici la fin de l'année, on va s'organiser pour que, si Dieu permet, que je vienne aussi là-bas. D'accord. Salut tous les autres qui sont sur les plateaux pour moi. Excuse-moi de te déranger. Je suis ton portable parce que je n'arrive pas à rentrer. Il n'y a pas de problème. D'accord. Salut Frère Choua et tous les autres pour moi. Merci. Au revoir. Alléluia. En fait, c'est avec le frère Choua que tu parlais. Mais que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci les frères et sœurs de Saint-Martin. Soyez encouragés. Nous sommes encouragés. Bon Dieu, bénisote, vous qui êtes du côté de la Guadeloupe, la Martinique, du côté de l'île La Réunion, l'île Maurice, le Madagascar, et l'Afrique du Sud, Kinshasa, Congo, Brazza, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, Cameroun, Angola, la Libye, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Burundi, le Rwanda, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Irlande, la Tunisie, le Canada, les États-Unis, la Colombie, le Brésil, l'Algérie, mes amis, l'Australie, l'Érythrée, tout ça, le Japon, mes amis, le Bangladesh, tout ça, l'Inde, mes amis, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, le Brésil, mes amis, le Luxembourg, tout ça, l'Allemagne, et, l'Arabie Saoudite, c'est déjà cité, donnez-moi des noms, le Burkina Faso, l'Égypte, tout ça. La Namibie, hein, la Zambie, la Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, le Mozambique, tout ça, la Polynésie française, le Sénégal, le Mali, le Ghana, vous êtes nombreux là-bas, le Ghana, le Togo, hein, le Bénin, le Nigeria, le Chypre, hein, tout ça, la Grèce, hein, la Serbie, l'Ukraine, la Russie, tout ça. Donc, la République dominicaine, Haïti, le monde entier. Amen. Et vous qui êtes au ciel. Alléluia. Amen. Que Dieu vous garde. Je crois qu'on arrête là.
915 connexions, c'est magnifique. Invitez vos amis, vous qui êtes connectés ce soir. Jeudi, 20h30, heure de Paris. Connectez-vous. Une surprise vous attend. Une grande surprise vous attend. Connectez-vous, mes amis. Tous vous êtes invités. Je ne vous le dirai pas tout de suite. Vous-même, vous ne savez pas. Surprise. Jésus sera glorifié. Vous allez voir à quel point il agit, frère. Non, Dieu est trop fort. Ce vendredi, à Bruxelles. Samedi, Paris. Dimanche, en Hollande. Et mes amis, on est déjà excités. Et la personne qui est en ligne, si on ne la prend pas, elle risque de nous en vouloir. On finit vraiment avec elle. Hein? Ok, allô, bonsoir. Nous avons une sœur de Dover en Angleterre qui a eu à cœur de louer une salle de 200 places pour organiser un programme de réveil là-bas. Voilà, donc... Oh, la sœur a demandé au propriétaire de la salle de la louer hein, pour un programme. Le propriétaire lui demande pour quel programme. Et la sœur dira pour une réunion de réveil afin de dénoncer les faux pasteurs. Le propriétaire a dit, eh ben, comme c'est pour dénoncer les pasteurs, les fausses doctrines, hein, les pasteurs qui sont faux, eh ben, la salle sera gratuite. Les gens sont fatigués. Donc, nous disons oui à cette sœur qui certainement nous suit ce soir. Elle a laissé ses coordonnées. Frère, vous allez faire un tour en Angleterre. Pour l'instant, moi, je suis sur Paris un peu. Là. Ma sœur, oui, nous sommes d'accord. On va arriver en Angleterre là-bas. Alors, les frères et sœurs d'Angleterre aussi, on ne vous a pas oublié. L'Écosse, tout ça. L'Irlande, la Suède, le Danemark, tout ça. On ne vous a pas oublié, tout ça. La Finlande, tout ça. Donc, nous vous avons dans notre cœur. Donc, au nom de Yeshua, nous allons avancer ensemble, frères et sœurs. Et au nom de Yeshua, et l'Espagne, tout ça, le Portugal, voilà. Le Portugal, bon dia, bon noite. Ouais, bon noite. Et voilà. Donc, la sœur, vous allez la contacter. Et on va faire un tour là-bas. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Voilà, c'est juste pour deux minutes. C'était juste pour vous dire que tout ce qui est dit, l'enseignement, tout ça, c'est la vérité, que les gens qui écoutent, qui voient, qui entendent, qui franchement, c'est la vraie vérité, parce que ça fait une vingtaine d'années que je suis chrétienne et que je vais dans un bâtiment, quoi, et que depuis un mois, j'ai arrêté, je reste à la maison, et franchement, je bois, je suis contente, et il faut venir, il faut sonner la trompette sur Cahors, alors que Dieu vous bénisse, toute l'équipe, et que vraiment, que l'œuvre de Dieu s'accomplisse et que les gens voient aujourd'hui. Parce on viendra quand on viendra avec ouais. Joie. Voilà. Et s'il y a besoin, je peux laisser mon numéro. Comme ça, on peut faire des choses ici sur Cahors. Il n'y a pas de problème. Voilà. Laissez votre coordonnée à l'équipe technique là-bas. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Allez-y. Hein? Moi, j'ai un verset. Tu as un verset, mais tu peux y aller dans la liberté. Il n'y a pas de problème. En fait, j'aimerais dire à tous les chrétiens. Et ceux qui nous cassent, et ceux qui sont perplexes. Qui pensent nous casser plutôt. Voilà, et ceux qui disent que c'est faux. Mes amis, ouvrons les yeux et comme dit Paul, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Le problème avec nous, le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que les choses de l'esprit, on ne connaît pas. Nous sommes restés longtemps dans la chair en fait. Nous avons fait les choses longtemps dans la chair. Et lorsque le Seigneur agit, ou le Seigneur adopte un moyen qui lui est propre, en fait, on veut ramener le Seigneur à la manière dont nous voyons les choses. Nous avons des méthodes qui nous empêchent d'expérimenter la grâce de Dieu en fait. Chacun a ses intentions et il empêche Dieu d'agir. Et je vais lire un passage dans Jean 9. Par rapport à cet homme en fait qui était aveugle de naissance et le Seigneur lui ouvre les yeux. Mm-hmm. Et cet homme va aller vers les pharisiens en fait. C'est l'image de tous les chrétiens que Dieu est en train d'ouvrir les yeux. Aha. Et ils vont vers les pharisiens qui est leur conducteur. Il leur dit mais regardez, ils disent non, tu es son disciple. Il dit mais ça n'est pas une affaire de disciple ou de suivre un homme comme on l'entend aujourd'hui. Vous êtes des couettistes, vous êtes des c'est pas une affaire de chorakouetou ni de qui que ce soit. Uh-huh. C'est une affaire que Dieu est quelque part et on voit la nuée qui agit. Nous étions hier des impudiques, nous étions des malades, nous étions possédés. Frère, nous avons reçu la délivrance. On parle des choses qu'on a vécues, expérimentées.
On ne parle pas de... Écoute, arrêtons en fait de tourner autour du pot. Nous étions aveugles, frère. Nous étions nés aveugles dans les églises. Jeunes ou pas jeunes. On était là, on donnait de l'argent. Moi, j'ai repassé les vêtements, j'ai repassé les costumes des pasteurs. J'ai attrapé les bibles, j'ai fait je ne sais pas comment. Frère, j'étais aveugle. Mais lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux, ce n'est pas une affaire. Dieu donne un message. Il faut que nous le comprenions, frère. Aimons la lumière, s'il vous plaît. J'aimerais parler aux chrétiens. Ne passons pas à côté de ce que Dieu fait. Parce que nous avons des préjugés, parce que nous sommes colériques, nous avons de la haine. Non, frère, je vous en supplie. C'est une affaire de vie éternelle. Dieu nous ouvre les yeux. Et les gens disent aux pharisiens, ils disent, non, vous êtes leurs disciples. Ce n'est pas une affaire de disciples. Il dit, s'il est pécheur, je ne sais pas. S'il est ceci, on ne sait pas. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'agit pas avec n'importe qui. Soyons sincères un peu. Arrêtons d'être hypocrites, frère. Arrêtons d'être hypocrites. Ils vont dire, non, on ne suit pas l'homme. Voilà. Ce sont des pasteurs qui disent ça, alors qu'eux-mêmes, ils veulent que les gens le suivent. Mais bien sûr. C'est le monde à l'envers. Mais bien sûr. Ils disent, non, vous êtes idolâtres. Alors qu'eux-mêmes, ils veulent que les gens les écoutent. C'est le monde à l'envers. Il y a un problème dans la chrétienté actuelle. Moi, il y a des choses, des fois, qui me révoltent. C'est pas que je suis, je sais pas comment. Mais je me dis, mais Seigneur, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on ne voit pas en fait ce que Dieu fait? Jésus est arrivé, la plupart de ceux qui l'attendaient sont passés à côté. Ils attendaient le royaume de Dieu, la Bible nous dit. Plusieurs pharisiens l'attendaient. Le royaume de Dieu arrive vers eux, ils sont passés à côté aisément. Parce qu'ils avaient des préjugés, ils attendaient Dieu d'une manière. Et ici le Seigneur dit quoi? Au verset 39, là je vais lire. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Wow. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Wow. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que vos péchés subsistent. Et c'est la même chose que les dirigeants chrétiens, que certains chrétiens disent à Dieu. Dieu leur parle d'une certaine manière en disant que beaucoup sont aveugles, beaucoup font n'importe quoi. Ils refusent. Ils disent donc, toi aussi, tu nous dis, nous sommes aveugles. Nous avons fait des études, nous avons fait ceci, ça fait des années que nous te servons, tout ça, tu nous traites d'aveugles. Dieu fait ce qu'il veut. Je vous en supplie, chrétiens. Moi, le premier, ne passons pas à côté de ce que Dieu fait. Parce que lorsque le Seigneur suscite une œuvre, ce n'est pas pour faire plaisir, c'est parce qu'il sauve. Et lorsqu'on passe à côté, on ne peut plus revenir comme ça. Je vous en supplie, chrétiens, ouvrez les yeux. Oubliez la colère, oubliez la haine, oubliez le racisme, oubliez la manière de voir les choses. Oublions tout, blanc, noir, jaune. Oublions ces barrières qui sont humaines. Dieu fait une œuvre, je vous en supplie. Ouvrons nos yeux. Moi, ça me fait mal de voir, mais je dis, mais Seigneur, pourquoi tant de tumulte? C'est vrai que c'est dans la Bible, mais certains se laissent avoir parce qu'ils sont charnels. Ils ne comprennent pas les choses de l'esprit, en fait. Ouvrons les yeux. Beaucoup vont demeurer aveugles parce qu'ils disent qu'ils voient. On comprend. Non, nous aussi on le connaît. Nous ne connaissons rien. Lorsque le Seigneur travaille, ayons l'humilité de dire, Seigneur, c'est vrai, mais j'aimerais ouvrir un peu mon cœur pour comprendre. Explique-moi un peu les choses. Parle-moi un peu. Peut-être qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi, Seigneur? Je vous en supplie, chrétiens, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Nous sommes dans cette génération des choses que nous voyons là. On ne les a pas beaucoup vues, soyons sincères. On ne les a pas beaucoup vues. Nous étions dans les églises, nous étions des pires pécheurs. Mais aujourd'hui, nous pouvons aimer Dieu, nous pouvons arrêter les choses. Nous ne suivons pas un homme, je sais de quoi je parle. Nous suivons Dieu parce que nous voyons Dieu à l'œuvre, frère. Nous voyons Dieu à l'œuvre dans nos propres vies. Dieu a changé nos vies. Changeons un peu. Je vous en supplie. Dieu en a marre, il souffre parce que les chrétiens sont agités. Dieu souffre. Il souffre de voir les chrétiens à gauche, à droite. Et lorsque vous apportez la guérison, la restauration, vous la foulez aux pieds. Et s'il se retire, vous allez vous plaindre. Je vais prendre un deuxième verset. Ésaïe 58. Aujourd'hui, tu es marié. Je suis marié. Père de deux enfants. Voilà. Hier, je ne l'étais pas. Je n'y pensais même pas. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Les chrétiens ne veulent plus qu'on leur annonce leur iniquité. Ils ne veulent plus qu'on leur crie leur iniquité. Quand le cri, ils disent, on nous juge. Ils sont méchants. Ils n'aiment pas les gens. Il n'y a pas l'amour. Ça, c'est leur credo. Ça va avec des femmes d'autrui.
ça va avec les hommes d'autrui. Elles sont fiancées, ça va avec les hommes. Et ils se permettent d'aller par la gauche. C'est ça cette génération-là. C'est des rebelles. C'est une génération de rebelles. Et c'est pour cela que les vrais enfants du Seigneur, comme tu l'as dit, doivent aller devant Dieu pour prier et demander au Seigneur de leur montrer qui est qui. N'est-ce pas? Tous les jours, le verset 2, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner? Ici, Dieu dit que ces gens-là le cherchaient. Ils veulent la présence de Dieu. Ils veulent que Dieu visite leurs églises. Ils veulent que Dieu fasse des choses avec eux. Mais ils ont abandonné la parole de Dieu, l'évangile pur. Mais comment voulez-vous, comment voulons-nous que Dieu puisse agir alors qu'il soutient toutes choses par sa parole? Nous voulons sa présence, nous voulons la gloire de Dieu. Tous les dimanches, nous remplissons nos bâtiments. Nous sommes là en train de jeûner, prier. Ah, Dieu ne fait plus rien, Dieu n'agit pas. Frère, Dieu rétablit la parole de Dieu dans les cœurs des chrétiens afin d'agir et c'est nous qui crions au scandale. Sincèrement, on a volé qui? On a tué qui? On a pris la femme de qui? On a pris la maison de qui pour devenir des antéchrists? À un moment, il faut que notre conscience travaille aussi, chrétien. Je vous en supplie. À un moment, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, entendre le Père parler. Il faut se réveiller. Dieu fait comme il veut. Il parle de la manière qu'il veut. Arrêtons cette sensibilité, c'est charnel. Dieu n'a que faire de notre chair. Il n'a que faire de nos pensées. Il n'a que faire de nos émotions. Il est poussé par son amour. Il est poussé par son amour pour sauver. Ce qui intéresse Dieu, c'est sauver les âmes. Et nous sommes les premiers à repousser Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Il choisit qui il veut. Je parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos oreilles spirituelles. Comprenons ce que Dieu nous dit. Arrêtons la distraction. Si tu es tombé hier, frère, revenons à Dieu, revenons à la parole de Dieu. Je vous en supplie. Ne passons pas à côté de ce réveil, parce qu'après, des choses graves vont arriver. Ne passons pas à côté de ce que le Seigneur est en train de faire. Voilà. Dieu est grand. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Voilà. Donc, Dieu est fidèle. Et voilà, donc nous vous donnons rendez-vous demain sur 20h30 en direct sur TV de Vie. Je pense qu'il y aura une émission de la jeunesse, non? Voilà, donc avec Joël, Trésor, et Poupon, David, tout ça, Hervé, et plein d'autres, hein, frères et sœurs qui sont avec eux. Et voilà, que le Seigneur soit béni. En tout cas, merci pour vos prières, merci pour vos encouragements, merci pour tous les frères et sœurs qui se lèvent pour défendre la parole et qui sont sur les réseaux sociaux pour défendre la parole et dénoncer les charlatans, dénoncer toutes les personnes qui nous agressent, nous attaquent charnellement à cause de la jalousie. Voilà. Donc, et merci aux enfants du Seigneur qui prennent position pour la vérité et qui savent couper le pont avec les gens, les personnes qui vivent dans le désordre, qui ne sont pas dans la compromission, dans une fausse sagesse. Et rappelez-vous bien que le combat n'est pas charnel. Nous n'avons pas de colère, de haine contre qui que ce soit. Nous bénissons ceux qui nous maudissent, nous prions pour ceux qui nous persécutent, mais nous restons attachés à notre Seigneur Yeshua et à la parole véritable qu'il nous a confiée. Que Dieu soit béni. Donc jeudi, on est sur TV de Vie également, vendredi à Bruxelles, samedi Paris et dimanche aux Pays-Bas. Gloire à Dieu, à bientôt, merci à tout le monde, à l'équipe technique et à mon Père Céleste. Père, merci, garde ton peuple, nous bénissons tous ces gens, nous prions pour tous les pasteurs que tu as appelés et qui sont mal conseillers qui sont induits en erreur, réveille-les, Seigneur, éclaire-les, afin qu'ils reviennent à toi et qu'ils prêchent la vérité. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Gloire à Dieu. Au revoir.